Je sors d'une game. Il s'est passé quoi? Ah non, non, mais c'est... Je pense, en vrai, c'est peut-être une des plus belles games sur ce set. Ah ouais, à ce point? En tchal? Bah, enfin... Ouais, ouais, ouais. Genre, vraiment, là, c'est... Je vais avoir du mal à m'en remettre, j'ai besoin de 5-10 minutes. Hein. Oh mais vraiment, mec, si tu veux, on se pose, quoi. Y a pas de problème. C'est... Qu'est-ce que tu nous as fait? Dis-nous, t'as fait quelle comp? Ah ouais, j'ai fait la compo Kai'Sa, tu dois la connaître un petit peu. Ça te parle ou pas? La combo Kai'Sa, Galio, Sion, bien sûr, la deux colosses, trois socialites. Tu me parles de celle-là ou d'une autre Mais tu sais déjà. Donc celle-là même. Et en vrai, on a réussi. Donc moi, j'ai un peu high-roll. Mm-hmm. Je suis parti AFK, on s'est maté des vidéos, tu sais, de Daily Dose of Internet. Ok. Des vidéos fun et tout. Et pendant 15 rounds, on a gagné nos rounds, on a gagné la game. Mais non. Et je n'ai pas changé mon board, j'ai pas scout, j'ai pas rien. Je jouais pas. Et sans rien bouger. C'est rien. Incroyable. Rien, là il y avait tous les viewers sans témoin, on matait des vidéos sur YouTube, on a gagné 15 rounds gros. Ah ouais, c'est... Donc, c'est te dire. Hein. T'es quelqu'un toi. Enfin, c'est... T'es quoi là niveau de chal là? Parce que. On est à 1145. T'es... Et on est. Je sais pas, en vrai, je regarde pas trop, tu vois, mais on est top 55. Oh, mais t'es vraiment un gros boss. Hein. Et toi alors? Tu le sais ça que t'es un gros boss. Mais là, si par exemple je vais dans genre meilleur joueur TFT, tu vois, juste par curiosité comme ça, je descends un peu. Je vois qui, boum, Sean's TFT, 6 places gagnées, quoi. C'est vraiment le gros boss, quoi. C'est le mec... Non, bah t'y emmené, maintenant. Ah oh, bah, c'est le but, c'est... hein. T'en es où, là? T'es pas loin, non? Bah, moi, mec... Non, mais tu sais, genre, j'avais... À un moment, tu m'avais coaché à l'époque Woodland, Hivern et compagnie, là. Oh, les 6 mois, très bien, ouais. Ouais, exactement, c'était là... Et j'avais joué à 2-3 sets. Et là, j'avoue qu'en ce moment, je me fais chier, je sais pas à quoi jouer. Donc, j'ai joué en double up avec Zav, là, un peu. On s'est pas mal marré. Et sinon, là, je suis plate. Mais je trouve le jeu assez cool. Je trouve ça sympa, ça occupe bien le temps. Et en fait, le truc, ce qui est dur, c'est connaître. Et une fois que tu connais un peu les compositions et tout, t'es dedans, quoi. Mais ce qui est dur, c'est quand tout change, t'es de se remettre dedans, vraiment. De se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut jouer et tout, quoi. Bah, surtout que les méta changent quand même pas mal. Genre, même si les champions restent globalement tous forts. En fonction des patchs, il y a quand même une méta, donc du coup, si tu reprends par exemple dans 5-10 jours sur un nouveau patch, bah, tu auras peut-être un ou deux champions qui vont être plus forts, un peu différents, il faudra réapprendre à les jouer, et du coup, je pense que si tu maîtrises bien une méta, tu peux très vite monter sur TFT. Ouais, bah moi j'ai... Tu tryhard genre bien 2 semaines, quoi. J'ai vraiment fait là que de la compo pègre, mais moi du coup, pour m'aider justement, parce que c'est, enfin, faut suivre et tout, j'ai une tactique qui est pas mal, c'est que bah je... Je regarde mon streamer préféré, je m'abonne à Sean's et puis tous les jours, en fait, j'ai vraiment toutes les meilleures compos, tous les meilleurs picks. Enfin, c'est... quel plaisir, quoi. Quel ça, plaisir. Bon, après, quand je finis le stream, les gars, je vais direct chez Domingo pour voir ses games. Quel forceur. Donc, du coup, il y a un échange avec Shaco Runan, du coup, c'est ça? Wow. Non, pas Runan. Si, Runan, en plus, c'est Runan. Pardon, attends, dis pas non, parce que c'est si. Hein. Non, si, bien attends, sûr. Tu me dis que si tu joues Syndicate, il va falloir qu'on joue Shaco Runan. IE, Last Whisper, mec, moi, je suis Runan, je suis... Non, mais là, je commence un peu à diversifier, parce qu'à un moment, j'ai vraiment juste fait genre Gold Cat, plate à faire que Shaco et Assassin et tout, donc... En fait, au début, je pense que c'est bien d'avoir des compos préférés. Genre vraiment des trucs avec lesquels t'es à l'aise et que t'as envie de jouer. Et en fait, naturellement, au bout d'un moment, tu vas te lasser des compos et tu vas vouloir découvrir d'autres choses. Putain, mec, mais là, j'ai que de la compo diversifiée. Il y a un moment, ça s'est quand même mal passé. Je suis passé plate, j'ai fait que de la 7ème place, tu vois. Parce que j'ai voulu essayer. Je me suis dit, vas-y, faut que je change un peu. J'ai cru comprendre que j'en scrap la ferrailleur, ça avait l'air fort. C'est le chat qui te conseille, c'est ça? Bah, mec, tu sais que c'était ça, hein, là, les dernières sessions. J'ai fait un petit Kog'Maw puissant là. Oh là là, je te fais des compos, mais je te réinvente la méta, moi, mon frère. C'est comment on joue Kog'Maw j'avais fait quoi? Kog'Maw, Shogat, Jin, Mundo, Janna, Taric, Kai'Sa. Et ça, mon pote, c'est une première place. Ça c'est. Ok, un mutant sniper original, ouais. En mutant, en plat, je peux te dire que ça fait très très mal. Mais ça, alors, ce que moi je voulais te proposer de faire, parce que bon, j'imagine que. Tu dois connaître les bases globalement du jeu. Est-ce que tu trouves que tu snowballes bien en early game? Est-ce que tu arrives à gagner tes rounds? Est-ce que t'es plus facile quand tu open? En fait, parfois, bah du coup, moi, comme je jouais genre là, le truc justement, pègre ou quoi, en fait, je faisais rien. C'est-à-dire que j'attendais juste et j'attendais d'avoir 50 gold et j'ai 50 gold et ensuite je slow roll même pas, je fais que XP jusqu'au niveau 8, tu vois. Et comme j'étais en gold, bon bah en fait, je fume tout le monde parce que t'es niveau 8 quand les mecs ont mal économisé et tout quoi. Là, je commence à tomber sur des gars qui savent jouer un peu, mais du coup, tu sais, j'ai aucune réalité de savoir par exemple quand on roll un peu, quand aller chercher des trucs. Tu vois, j'essaie juste d'être à 50 en vrai. Ah non, alors ça, il faut l'oublier.
Almost ça, fine, un, au début, c'est bien, mais après, il faut que tu saches quand roll et quand dépenser. Ok. C'est-à-dire que, c'est bien d'avoir le réflexe d'économiser, mais parfois, il faut se renforcer parce que tu peux être... Enfin, tu vas avoir beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais si tu as rien dans les placards, bah, tu vas pas manger, en fait. Parfois, c'est bien d'aller faire des courses. Oh là là. Et on va faire des courses, mon pote. Oh, mais mec, mais on va faire des courses. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue, du coup? On alors, joue à... Regarde, je t'ai partagé mon écran, là. Tu dois voir un truc sur Discord. Ouais. Je sais pas si tu veux l'afficher. En fait, juste, on va essayer de voir quel bon champion on a en early game et comment ils synergisent bien. Parce qu'en vrai, ça, c'est super important et ça va t'aider dans mass game. Attends, putain, faut que je change de PC. Enfin, faut que je me connecte sur Discord sur l'autre, comme ça. Ah. T'inquiète, je suis là en 2-2. Ah. Ah, mais sinon, tu le gardes pour toi, hein, mais... Non, comme ça, les gens vont voir, quoi. Merci, coach, pour la cote. Non, mais attendez, Shones. Tout à l'heure, je voyais un message dans le chat de jusqu'où il est monté, Shones, sur LoL. Challenger aussi, hein, les amis. C'est vraiment... C'est son truc, quoi, le Challenger. Hein. Ça n'a jamais arrêté. Attends. Always. Là, c'est bon, normalement. On est bien. Pam, regardez le stream. Je suis avec toi, mon ref. Allez. En gros, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, et on le fait avec les viewers, globalement, en fait, c'est essayer de prendre tout... Donc là, je suis sur LoL Chess. Tu la connais, le site, lolchess.gg. Ouais. Qui est un site assez cool, en vrai, il y a toutes les informations qu'il faut. Et en fait, on va prendre tous les one cost, tu vois, parce que c'est les premiers rôles que tu as au début de la partie. Okay. Et on essaye de les casser un peu par famille. Okay. Par exemple, tu vois, un truc assez évident, tu vois la compo Kog'Maw, avec Kassadin 3, Garen 3, etc. Bah tu vois, ils vont bien ensemble, ces trois-là, quoi. Ok, donc ça, c'est ce que tu vas chercher au début, quoi. C'est les familles de champions, quoi. Ok. C'est des ressemblances. Par exemple, Twisted Fate et Darius, ils vont bien ensemble. Pègre. Ils sont pègres, le fameux. Donc ça, tu connais bien. Moi, j'ai beaucoup fait. Darius... j'ai beaucoup fait les délires gardes du corps, tu vois. Donc Darius, Poppy, tu vois ces trucs-là, justement que je cherchais vite, quoi. En fait, l'early game, tu vas toujours au début acheter tes paires. Ok. Et avec les paires, du coup, ça va te tendre vers une famille. Et le but, c'est d'essayer de créer un truc via les paires que t'as, parce que dès que t'as un 2 cost en early game, il faut miser dessus, quoi. À part bon Karar, et ça, c'est on verra après les trucs plus compliqués. Mais par exemple, tu vois, genre TF Darius Poppy, bah Ziggs marche bien parce que bah il suffit que t'aies genre une petite Lulu et t'as genre 3 Yordle, 2 Arcanistes, 2 machins. En fait, c'est et... ouvrir les options pour pouvoir partir ensuite sur une compo. C'est ça, quoi. Exactement. Okay. Et pareil, tu vois, par exemple, Caitlyn, qui est Enforcer Sniper, marche bien avec Illaoi. Pourquoi? Parce que chez Illaoi, il y a donc Vi qui rentre bien en Bruiser, et Vi va donner Enforcer. D'accord. Et ça peut donner aussi Kog'Maw, tu vois, pour un Sniper. Il y a plein de trucs, MF pour Mercenaire. Donc du coup, en fait, il y a des petites familles comme ça, qu'on crée. Twitch, tu vois, va bien avec Singed. Une fois qu'en fait, on a repéré un peu toutes les familles, quand tu regardes ton rôle, les cinq champions qu'on te propose au début... Tu vas voir vers quelle famille tu tends, en fait, très vite. Ok. Sachant qu'après, il faut connaître dans la méta quelles familles sont meilleures que d'autres. Donc, typiquement, les Yordle, Pègre, en ce moment, sont plutôt forts. Ça, c'est fort pour une sortie reroll Kog'Maw. Ça, ça sera plus de l'innovateur, les Ezreal, Zilean et tout. Et il faut voir, quoi. Camille et Ezreal, du coup, ça va bien ensemble. Parce que moi... Ouais, parce qu'en fait, il y a Zilean et Singed. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça. Zilean et Singed donnent innovateur, tu vois, ici. Plus ok, d'accord. Putain, mais c'est génial. Donc une fois que tu comprends ça comme ça, c'est plus facile de voir les rôles et tu vas prendre des trucs que logique. Et une fois qu'après t'as les sorties de logique, tu vas toujours avoir des gros early game et tu vas forcément snowball la partie. Ok, ouais, du coup, parce que souvent moi j'avoue je sais pas sur quoi partir et je suis un peu... Tu sais, j'ai un peu ce truc même en plus avec les augmentes et compagnie. Tu vois, quand ta première augmente, ça te propose soit de partir étudiant, soit de partir genre érudit, je te dis de la merde, tu vois, mais t'es vraiment en mode, bah c'est full, pas random, mais... Ok, bon, bah je vais aller là-dessus, quoi. Donc moi, Bah, en fait, il faut que tu essayes d'ouvrir tes options, toujours. Ouais. Toujours ouvrir, jusqu'au moment où tu peux plus trop et tu fermes. Et là, tu vas à fond et en fait, il faut que t'aies, dans l'idéal, hein, il faut que t'aies scouté pour voir s'il n'y a pas d'autres gens. Par exemple, si tu joues Shaco 3 et qu'on te propose plus un Syndicate, bah c'est parfait, mais s'il y a deux autres joueurs de Shaco, peut-être que l'autre option aurait été mieux, quoi. Ok, ouais. Donc, ça, je commence à scouter un peu, là. Putain. Et une fois que t'as ce réflexe-là, c'est cool. Et puis après, bah pareil pour les. Autre chose qui est intéressant, après on peut se lancer une petite partie, c'est les box 3 costs. Tu vois, quand tu reçois parfois des golds, ouais. Parfois tu reçois plein de 1 gold, parfois des 2 golds, et parfois tu reçois des 3 golds. Ouais, un perso quand t'es encore au corbin, quoi, au tout début. Au tout début, ouais, en 1-3, 1-4. Et ça, tu dois vraiment savoir lesquels jeter, lesquels garder, que prendre autour, etc., etc. Est-ce que toi là ici t'as des préférés un peu déjà que t'as envie de tout en garder ou tu te dis que c'est une game? Shogat il régale quand même quand tu l'as au début parce que ça te permet de le stack quoi, enfin potentiellement. Ouais. Tariq je trouve que c'est toujours un truc quand je suis un peu en galère dans ma compo, Tariq il régale parce que tu peux le mettre un peu solo, il te met
un petit boost, donc pour temporiser quand je sais pas trop sur quoi partir, c'est bien. Samira, j'arrive jamais à jouer. GP, j'ai jamais joué mercenaire. Vex, j'avoue. Pardon, t'as jamais joué mercenaire ? Bah, une fois, mais j'ai pas réussi. Miam, 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 mais on va se régaler. Oh là là, ouais, c'est... T'es sorti mercenaire, je te cocherai, promis. Putain, le feu. Parce que j'avoue parce que... Parce qu'en gros, GP et MF, en fait, dès que tu les vois, normalement, tes yeux doivent clignoter, okay. Briller et se dire « OMG, c'est une game mercenaire ». Okay, tu verras que même les gens sur le stream vont devenir fous, en mode les pirates, tout. Enfin, c'est vraiment, il faut que tes yeux brillent. Ok. C'est des champions. Ok. Plus MF que GP, on va dire, mais il faut que tu puisses les considérer. Parce que, en vrai, le mercenaire early game, si tu sais le jouer, et en vrai, c'est pas très dur, il faut juste qu'on t'explique comment ça se joue, c'est vraiment super balèze. Voilà. Ok, bah écoute, mais sinon, ouais, Lissandra, j'aime bien, je trouve ça fort. Mais. Alors, Lissandra, c'est un champion qui a vachement besoin de Morello. Ouais. Vachement besoin de Morello, sinon elle est moyenne en vrai. Ok, d'accord. Donc si tu vois, tu vois, imagine t'as une box Lissandra, ce que tu dois faire c'est regarder sur le côté tes objets, et si par exemple t'as Arc et BF, bah t'es en mode... Tu vois, Lissandra, bon t'es pas obligé de la jeter, mais t'es en mode ouais bon bah elle aura pas d'item parfait avant un petit moment, donc bah si en plus j'ai pas genre Twitch 2 ou Zac, etc, bah elle sert pas à grand chose quoi. Ok. C'est le genre d'idée quoi. Et donc du coup là, il y a les 4 en haut qui sont très très bien au début. Echo, tu le mets dans quoi? Parce qu'il peut faire ferrailleur. Echo, il est pareil, c'est propre. Echo, c'est un des meilleurs champions du jeu en early game. Ok. Parce que déjà, il débloque Scrap 4, du coup avec Ziggs, Ezreal, donc ferrailleur, Trundle, etc. Il peut aussi t'offrir un petit assassin en early game. Son ulti est vraiment broken. Il part très très vite son ulti. Ouais. Et Morello, moi, j'aime bien lui mettre Morello. Et c'est un porteur de Morello taré quoi. Okay. Vraiment, c'est... Lui, Lissandra et Echo portent vraiment trop trop bien Morello. Et du coup, ceux à droite, on n'aime pas trop quoi. Quand on les a en 3, on peut les vendre si jamais il n'y a pas une sortie qui va avec, en mode Temkest par exemple. Non, Shamkest, je sais plus comment. Kemtech. Shamkest, ouais, le truc là. On y va de toute façon. À peu près. Alors, pas vraiment. En vrai, bon, Leona, elle coûte un peu cher. Elle tank super bien, mais elle apporte rien de plus quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien, mais si t'as par exemple Darius 2 et t'as une box Leona, bon bah go, tu vois. C'est quand même un tank, un sale tank, pourquoi pas. Mais Poppy 2 fait à peu près le même travail et elle te permet d'être plus flexible, quoi. Ok. Vex, Zac, c'est vraiment trop fort. Ouais, Zac, j'aime bien aussi. Parce qu'il unleash le bruiser assez rapidement. Vex, c'est vraiment trop fort. Si tu sais jouer sorcier. Parce qu'en fait, Vex. En fait, actuellement dans la méta, Yordle est très fort. Ouais. Mais Yordle 3. Yordle juste pour économiser, tu sais. Ok. Et donc Vex en fait te permet de te passer un peu de la frontline Poppy Darius parce que tu mets genre Ziggs, Vex et n'importe quoi d'autre et t'as un 2 arcaniste. Ah ouais, ça te permet de te faire ton Yordle. Tank en arcaniste sans non plus avoir all-in et d'être en front, d'avoir une petite frontline quoi. Ouais, de ouf. Vex pareil, tu dois être en mode OMG j'ai Vex. Tu ok, vois. D'accord. Et ça doit vraiment trop trop bien. Ensuite Samira, je pense qu'en ce moment Samira c'est pas super fort, elle demande un peu de skill pour la jouer. Et même moi, tu vois, je suis vraiment pas à l'aise avec une sortie Samira. Elle est très vite décevante, quoi. Ouais, je trouve ça. Si t'as pas une sortie parfaite. De temps en temps, j'essayais de jouer un peu Chal aussi, parce que, bah, comme je te dis, j'ai fait que Pègre, ensuite j'essayais des trucs, quoi. Et c'est vrai que Samira, je suis un peu en mode, bon, bah, c'est la fosse, c'est le cadeau un peu empoisonné, quoi. Exactement. Je pense que tu peux aujourd'hui t'en passer. T'es pas obligé de tout considérer. Ça, Samira. Samira, dis-toi que son meilleur item, c'est Spat Assassin. Si un jour t'as une Spat Assassin, sur Samira, elle le porte très très bien, quoi. Ok, avec ouais, là. Lieu, Runan, voilà. Là, elle est à base, quoi. Okay. Là, elle fait mal. Mais sinon, tu t'en fous un peu globalement. Malzahar, ça dépend. Il peut être très fort aussi. Il faut que tu regardes un peu ta sortie. Lui, il faut le mettre full item en mode le truc qui régène là, Extech et compagnie, non? Alors, ça dépend. En fait, il faut lire le mutant. C'est un peu plus technique. Parce que, en fait, les gens aiment bien Gunblade et Malzahar. Ouais. Si tu as donc le mutant Darkstar, donc celui à chaque fois qu'une unité meurt, gagne plus de. Non, 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 parce que t'as déjà un Omnivamp, tu veux pas avoir Gunblade. C'est vrai, doublon. Tout à fait. Attends, qu'est-ce que je... Excuse-moi, enfin, je me suis... Merlixie. Non, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, putain. Voilà, donc il faut juste lire le mutant, et dans tous les cas, je t'aiderai par rapport à ça, mais il faut comprendre que Malzahar n'aime pas les mêmes stuff en fonction du mutant. Et c'est quel mutant Shaco... qu'on tège? Pardon, tu m'as... C'est quel, justement, le mutant... C'est quoi les mutants nuls? Les trucs de mana, c'est nul, là, non? Non, mana, c'est le plus fort. D'accord, super. Plus fort en... Non, mais en carry Malzahar. En vrai, aujourd'hui, je trouve que Void est un peu moins fort. Bio-Leaching est ok. Darkstar, il faut, si c'est vraiment une game Darkstar, donc c'est assez technique, tu vois, il faut faire des items précis, des GA, des Zroths, c'est super fort, mais ça demande un peu de skill. Et en fait, celui-là est le meilleur pour Malzahar carry, parce que j'ai fait une game juste hier sur le stream avec Malzahar 3. Ah, il spam en boucle, quoi.
Et il lève la main et il caste, en fait. Ouais. Il lève la main et il caste. Et tu lui mets blue buff, spell crit, tueur de géant. Oh, m'en dis pas plus. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je pense que tu vas kiffer, en vrai, si on a cette sortie-là, okay. Je t'aiderai. Après, tous les autres, bon, c'est plus technique. Je trouve que, globalement, mutant, c'est pas très fort, on va dire. Putain, je pensais que le premier, il était fort, par exemple, avec un Kog'Maw, tu vois, genre, un truc comme ça. En fait, Kog'Maw, c'est pas une super unité. Faut que tu te dis ça. En fait, toutes les synergies aident Kog'Maw, mais Kog'Maw est un tout petit peu plus faible, parce que sinon, ce serait beaucoup trop broken, en fait. Genre, la manière dont Kog'Maw a déjà 3 synergies, il fait des dégâts en fonction des HP, il porte pas mal d'ATM. Du coup, ils essayent de le tune down un petit peu, quoi. Okay. Sinon, ça serait injouable pour les autres. Donc, donc voilà, donc pour les box 3 cost, voilà, comme je t'ai dit, il y a la Start Pirate, Yordle, le reste, on verra. Comme d'hab, genre, si par exemple, tu vois, t'as pris Darius TF, que t'aimes bien, et qu'on te propose un Shaco, regarde-le. Ça, c'est... Attends, voilà. Ça, c'est mes sorties préférées, ça. C'est... Tu peux y aller, on peut lancer une game, mon pote. Putain, mais c'est le feu. On fait comment, on fait une duo? Non, je pense que tu vas me partager ton écran sur Discord et on va faire des trucs ensemble. Mec, mais en fait... C'est plus simple, ouais. Bam, bam, bam. Est-ce que je t'ai mis... Oula. Yes. Attends, est-ce que je t'ai bien mis du... Je vais quand 1080 même... Bien sûr, je suis en 1080, je suis en petit 60 FPS. Oh là là, let's go. Merci en tout cas hein, de prendre le temps. Tu vois là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, je vois. Là. Gueule, t'as pas de remercier, hein. Bah non, mais ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que là, je kiffe bien, et c'est cool, là, je matais un peu, à un moment, je me demandais, parce que c'est vrai que toi, tu fais vivre la scène aussi avec les compètes et compagnie, et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, quoi, j'ai vu la Fresh Cup, bah, du coup, tu fais avec IMSO, j'ai vu là, il y a des trucs de, c'était à moitié les Masters, non, en France, je t'ai vu partir en Espagne aussi, il y a full truc, là. Enfin, il se bouge, ouais, enfin, ça bouge un peu, il y a... En vrai, la scène compétitive est vraiment cool sur TFT, ce set-là. Et ils ont envie de l'améliorer, donc vu qu'en France, on est le meilleur pays du monde, hein, il faut le dire. Bah, on en profite. Hein. On en profite. Même si on n'a pas gagné les titres de championnat du monde, en vrai... Là, en fait, je sais pas si t'as vu, il y a eu une petite information assez rigolote. En fait, il y avait un tournoi aux États-Unis, là, donc il y a 4 jours, avec 32 joueurs. Il y avait 30 Américains, un Tchèque et un Français. Et il y avait vraiment les meilleurs Américains, donc les plus gros streamers, joueurs et tout. Et c'est le Français qui a gagné. Ah ouais? C'est qui? Ouais. Il s'appelle Calflo, c'est un joueur. Alors, c'est marrant parce que c'est un joueur qui a pas passé les qualifs des Masters France. Donc... Ah ouais, ok. Alors, du coup, on était tous derrière lui. Mais on était... Alors, attends, du coup, ça veut dire que ceux qui ont gagné les Masters France, c'est quoi leur level? De fou. Parce qu'en France, c'est qui le meilleur? C'est Voltariux, non? Bah, officiellement, on dit que c'est double, quoi. Ouais, parce qu'il a été champion du monde. Bah, déjà, oui. Et puis, même, il est tout le temps top ladder, quoi qu'il arrive. Donc. Oh, j'ai vu le clip que t'as partagé là. Ça. Ouais, hein. J'avais vu, ouais, vu incroyable la vitesse d'exécution et tout. C'est marrant parce qu'il y a que des boomers, tu vois, dans le jeu, il y a que des 25+, tu vois, ouais. c'est un jeu de 20, voilà, et Double, il a genre 18 ans, et il détruit tout le monde, tu vois, c'est très très drôle, quoi. Non, mais t'as Double, ouais, Volta est super fort, t'as Pas de Bol qui est super régulier. Ah ouais, j'ai vu. Et Bagarki arrive tout le temps en finale, également, il y a Il y a Unit qui était très fort en début de set. Et l'ARS qui était champion de France. Ah, mais il y a du quand même. En plus, les équipes commencent un peu à miser dessus. K-Corp, Solary, la Easy Dream, MCES. Ah, c'est cool en vrai. Hein. Ça crée. Enfin, t'as bien poussé pour ça, mais j'avoue que c'est propre. Hein. Moi, au début, là, j'avoue que je prends souvent armure ou BF. C'est un peu mes trucs. C'est pas mal. On peut. Donc là, il y a un peu. Alors, regarde les familles. Bah, sachant que, en fait, regarde, tu as un arc, donc t'es plus orienté attack speed, donc peut-être que on peut s'ouvrir. Caitlyn, prends un truc. Ouais. Tu vois, genre là, par exemple, Caitlyn Poppy, ils vont pas ensemble, rappelle-toi. Mais du coup, qui va avec Kate? On se disait que c'était Singed, donc on est mort, quoi qu'il arrive. Donc, Non, Camille, on avait Diez. C'est vrai qu'on avait Diez. On peut vendre Poppy pour elle si on veut la jouer vraiment très aiguë. Moi, je prends souvent Caitlyn parce que je trouve que ça fait des good loss avec son ulti. Ah bah putain, on est exactement dans le cas où on est au début et là d'un coup ça propose soit enchanteur, garde du corps ou le fil du rasoir. Knife Edge. Alors en gros déjà tu dois toujours poser la question, est-ce que cet augment va me renforcer maintenant? Toujours, parce qu'en fait le but c'est de gagner des rounds. Ouais. Et là aujourd'hui, là tu vois Encensor Ardent tu vas pas l'utiliser en vrai. Ouais. Bouclier humain non plus parce que t'as Camille Bramble et fil du rasoir c'est vraiment très fort en vrai, en plus dans la méta. Okay. C'est Urgot, Yone et tout. Et en plus tu as des Illéanes donc parfait. On va prendre Zilean à la place de Camille. Et tu vois, Non, excuse-moi, passe de Caitlyn. Oh, excuse-moi. C'est pas grave. Oh, je voulais parce que ça allait avec Caitlyn. Oh, je suis désolé. Parce que Camille, du coup, à quel moment... J'en prends deux.
Parfait, parfait. À quel moment parce que là, donc du coup, là, on part sur justement deux innovateurs. Ouais. On va chercher Camille. Pourquoi on l'aurait eu? Elle nous aurait fait plaisir. Parce que en fait, elle donne Clockwork avec Zilean. Ah oui, Camille. Ok, d'accord. Oui, donc t'as plus. Ok. Plus d'attack speed. Bah là, tu vois, je suis un peu dans la situation, tu vois, où Blitz, j'aime bien. Bon, Leona, ça doit plus tanker. Super. Donc, Non, mais Blitz, c'est un bon champion. Donc là, regarde, tu peux mettre Blitz, Leona. Oh, je suis con, il y a Ferrailleur. Blitz, Leona, je pense que ça marche bien. Voilà. Et du coup, là, regarde, on a un très bon item défensif devant avec Bramble, Leona. Donc on peut le slam. Et Arc sur Ezreal pour le scrap. Ok. Donc, il y a du sens en vrai. Ouais, parfois en fait, je sais, sur mes items, j'ose pas, tu sais. Et du coup, je les tempo trop, tu vois, en attendant vraiment. Comme voilà, je sais pas exactement quoi mettre, je me dis, bon, en fait, bah, on verra plus tard. Il faut pas que t'aies peur. Bah, il faut pas que t'aies peur. Si ça a du sens, il faut que tu le fasses. Okay. Dis-toi ça au début. Tu vois, genre, Leona est un tank, elle aime bien Bramble. Te prends pas la tête de s'il y a des crits, quel champion, machin, tu slams. Ok. Et là, du coup, bah, il faut regarder un peu la sortie qu'on a. On prend toujours nos paires, donc tu vois, la paire de Caitlyn, on sait jamais. Si j'ai pris un petit Ziggs en me disant scrap, je sais pas si jamais. C'est excellent. Très bien fait. Ah, on a la paire. Ok, on a Caitlyn qui passe. Alors, oublie pas que t'as Knife Edge, donc toute la game, tes carries vont être en deuxième rangée. Ouais, donc tu peux pas jouer sniper, quoi. C'est pas un truc où on va pouvoir... On a un petit innovateur avec Singed pour pouvoir rentrer innovateur, mais pareil, je l'ai jamais trop joué. Pour aussi, mais là, le Leona Blitz, c'est bien. Donc, je pense que tu vas juste push Camille en vendant Singed ou Ziggs, comme tu veux. Et tu la mets bien en deuxième rangée de l'autre côté. Push Camille Caitlyn. Oh, pardon, Oh, t'as dit Camille, mais c'est pas grave. Non, merde, je confonds les deux, je suis désolé. Non, ça n'a pas de soucis, mais j'avais pas bien compris. Non, parfois, je suis de temps sur savoir justement les délires de push ou autre, tu vois. Ou. Tu sais, j'ai ce truc parfois où j'aime que ça soit parfait. Il est trop mignon en plus, il est en mode dedans. Bah, c'est moi qui te hint, hein. Je te dis vraiment pas les bons champions. C'est trop mignon, gros. Je suis en train de te hint. Push, tu sais, genre, Zach, il n'y a pas Zach, il est en mode. Tu sais, j'étais en mode Camille, attends, je la trouve comment. Ah oui, mais... Excuse-moi, je confonds les deux et. Donc là, en fait, voilà, je t'explique. En fait, on a une bonne frontline, mais on n'a pas de tank. Donc on essaie de naviguer avec ce qu'on a, ce que le jeu nous propose. Tu vois, là, t'as un 4 scrap. Et en fait, au bout d'un moment, il faut faire de l'économie. Faut toujours que tu te dises ça. Là, il faudrait que je sois à 10, quoi. Bah, en fait, il faut que tu. Vu que t'es aussi en train de gagner, tu peux pré-push, tu sais, en appuyant sur le bouton d'XP pour pouvoir passer au level d'après. Pour le prochain, d'accord. Voilà, c'est comme tu veux. Ouais, j'y vais. Parce que là, concrètement, tu vois, genre, on se dit quoi? Pour l'instant, les deux gardes du corps, ils nous mettent bien pour le moment. Ouais. On imagine déjà le. Le 4 ferrailleur. C'est donc, à 4 voir. Scrap. En fait, 4 ferrailleur est très bien, surtout quand t'as écho. Donc pour l'instant, tu vois. Ok, d'accord. Là t'ouvres tes options au maximum. Genre là, t'es vraiment en mode bon, je garde encore des Iliades, mais Iliades ne va que avec Innovator. Mais t'as pas de Singed. Donc tu vois, c'est peut-être pas la tech. Ouais. Là, t'as une grosse frontline bodyguard avec les deux. Ça peut être intéressant de garder plus Leona Blitzcrank qui vont bien scale avec les levels plutôt que. Ouais, donc de repartir sur Singed, quoi. Oui, oui, plutôt que reforcer Innovator où déjà voilà. On n'est pas en retard, mais on n'a pas la sortie parfaite, quoi. Ok. Donc là, comme t'as Knife Edge, donc tu vas jouer avec un carry de deuxième rangée. Donc tu vas aller chercher un Runan, si tu peux, ou un Last Whisper, pour pouvoir jouer Yone ou Urgot. C'est la priorité là, c'est, on part sur ça. Yone ou Urgot. Rebel est bien. Ok. Ouais. Donc Runan, sachant que j'ai un arc, on va chercher le Négatron, quoi. Ouais, c'est pas mal. Sinon, n'oublie pas que t'as démarré avec armure et que t'as eu encore une armure. Et garde-le dans un coin de ta tête, mais le jeu ne peut pas te proposer plus de 3 fois le même item. Donc là, par exemple, le jeu t'a donné une armure, donc il peut que t'en donner encore 2. Ah ouais? Ah, je savais pas ça ouais. Dans les... Ok, d'accord. T'as un petit détail, mais c'est sympa, quoi. Bon, situationnel, mais ça fait toujours plaisir, quoi, ça. Ah, mais là, on nous offre un Singed, là. Là, tu vois, naturellement, qu'est-ce que j'aurais fait Bah là, je sais pas, tu vois. Là, non mais tu vois honnêtement, tu vois j'aurais pu faire cette merde, mais qui a l'air d'être de la merde, mais juste au moins pour avoir une front lane. Mon Zac il sert à rien là, j'aurais vendu Zac. Ouais ça c'est bien, mais tu fais Runan dans tous les cas. Mais sur Runan, ouais pour l'instant, et tu peux rentrer Singed Zilean ou comme tu veux, ouais. C'est pas. Ouais mais. Mais Singed Zilean, soit en fait il faut que tu trouves un carry qui porte Runan. À l'heure actuelle, Ez est bien parce qu'il donne ferrailleur, mais Runan Trundle c'est plus sympa. Faut que tu trouves juste un porteur de Runan. Ok. Et surtout, il faut très vite que tu fermes tes options. Moi, je pense que 4 scraps, c'est pas une bonne idée dans cette game parce d'accord. Que tu as peu de composants qui traînent. Ok. Tu vois, t'as 2 items déjà définis. Et oui, donc on va pas pouvoir profiter. D'accord, on va pas pouvoir en profiter. Mais du coup, là, j'avoue que je ne sais pas sur quoi. Donc, du coup,
Innova... Pour les Illéans, pour les Illéans. Ouais, on les Illéans, ils tèchent déjà. Les Illéans, il faut rentrer Singed 1, il faut rentrer Clockwork. En plus, t'es bloqué deuxième rangée, c'est, voilà, ça fait une galère. Et c'est bien d'économiser, hein. Là t'es en mode, bon bah on gagne, on perd, on s'en fout. On essaie juste de rentrer à une bonne compo et... Oh. C'est excellent. Ça, c'est un régal, ça. Là... Le Heimer te donnait Innovator, mais c'est pas très grave. Attends. Je suis à deux doigts de faire une connerie. Hein. Bon, Blitz 2, là. Blitz 2, de toute façon, oh, obligatoire. Faut qu'on prenne. Et regarde Tarik. Tu vois, là, Tarik, c'est vraiment fort. Hein. J'aurais bien... Ouais, fais chier. Ah bah non, du coup, non. La case est derrière. Et merde, je trouve ça fort en carry, mais là, bon, il n'y a plus rien où le mettre, quoi. Parce que du coup, on est parti d'Innovator. Là, j'avoue en que... Gros, là, moi, je me mets un Swain. Swain, je trouve ça fort. Non. Ok. Non, bah, je sais pas, je me suis dit... Moi, je trouve que ça tanque bien, Swain. Et ça fait quand même des dégâts, tu vois. Donc, quand je suis un peu en galère, c'est pas un Tarik pour moi, mais c'est un perso que j'aime bien avoir un peu en tempo, quoi, tu vois. C'est super, mais oublie. Ok, voilà. Mais top. Voilà. Mais du coup, là, tu vois, je suis perdu parce que on a abandonné Ferraille. Donc, Scrap, on se dit que non. On a toujours le truc garde du corps, mais on sait pas trop vers quoi on va. Sniper, on se dit que c'est non aussi parce que justement, on a les deux cases. Enfin, notre augment fait qu'on va être que sur les deux premières cases. Ouais. Donc, je t'avoue que là, j'ai aucune idée de sur quoi on pourrait partir, tu vois. Alors là, tu peux prendre le ZX2, c'est une unité qui passe niveau 2. En fait, ce que je te conseille, si ça peut te garder en tête pour la suite. Rester en tête pour la suite. Essaye toujours de construire tes boards en fonction des unités qui passent niveau 2. Ok. Et donc au stage 2, donc là, ce qu'on vient de vivre, il faut toujours essayer de miser sur les one cost qui passent niveau 2. Donc, par exemple, la Caitlyn. Si elles étaient passées 2, ça aurait été trop bien. Malheureusement, ils commencent à fatiguer. Ouais, là, et là, tu vois, il y a Blitzcrank qui est passé niveau 2. Donc, c'est-à-dire que Blitzcrank, c'est ton pilier de tout le reste de ton stage 3. Okay. Et il faut que tu regardes ce qu'est Blitzcrank. Blitzcrank, il est garde du corps, donc parfait à Leona. Il est Scrap, donc ça peut être pas mal. Et là, il est Ferrailleur. Et ça tombe bien parce que dans Ferrailleur, on a ZX2 à côté et on a Trundle. Donc là, tu peux rentrer un 4, quoi. Juste histoire de. Un quoi. 4. Mais du coup, avoir un écho. Je dois tège le loot Caitlyn, quoi. Ouais, alors le truc, ce qui est bien avec Caitlyn, c'est que c'est une bonne unité en standalone. Donc... Ouais, c'est ce que je me dis. Donc, mais pour l'instant, non, tu le mets pas. Là, Non, tu peux remettre Trundle, c'était une très bonne idée. Mais à la place de qui? De Ez? De Caitlyn. Ah oui, ok, d'accord, c'était elle que tu me disais, standalone. Voilà, et là tu équilibres un peu les items, parce que comme tu as Scrap maintenant, faut que t'essayes de mettre... Négatron sur Trundle. Plus sur Blitz, je pense, et BF sur Ez, en attendant. Et en fait, comme je te l'ai dit, Ezreal, on a passé le stage 2, c'est un one cost. Donc là, c'est un porteur, tu quoi. Tu n'as pas de paire. Voilà, mais en fait, il faut qu'il tèche très vite. Il faut que tu te dises qu'il y a une alerte sur sa tête de... Il n'a pas beaucoup d'HP, il n'a pas beaucoup de dégâts. Ouais, il nous sert à rien, quoi. C'est un... Voilà. Il porte, quoi. Et du coup, il faut commencer à envisager la transition sur un autre champion, idéalement Trundle. Et Trundle est un bruiser, il va bien avec Vi, par exemple. T'as une Caitlyn qui dort. Il y a des trucs à faire, quoi. Ouais, parce que souvent, du coup, je sais qu'il y a 2-3 mecs, genre Trundle par exemple, je sais que tu peux lui faire porter les items, etc. Tu vois, mais c'est vrai que c'est des trucs que j'ai pas encore beaucoup. Putain, là ça nous arrange pas là. Là on est clairement dans une situation. On pourrait avoir comme ça, hein, mais comme ça vraiment très loin quoi. Vraiment très loin. Mais c'est pas ce qu'on va faire parce que justement on a dit non. Juste je propose. Merde. Alors déjà il faut essayer de push toujours level 6 en 3-2. Okay. Là, il faut que tu le retiennes. Même si t'as pas beaucoup de gueule, donc là on push Caitlyn. T'es bien. Push Caitlyn. Ah ok, push Caitlyn, ok. Pardon, parce que j'ai pas upgrade. Tout le... Non, mais parfois j'ai pas tout le vocabulaire de... Oui, et puis moi je dis n'importe quoi, je te dis Camille de temps en temps, donc tu t'en sors pas. Ok. Ça veut dire quoi? Alors slam, c'est juste, parce que c'est vrai qu'il y en a qui connaissent moins, c'est poser en fait les items pour pas les avoir sur le board. C'est juste, t'arrives, t'as deux, genre typiquement le Brumble qu'on avait sur Leona, on l'a posé direct. Moi j'ai tendance à beaucoup laisser les items sur le board et du coup potentiellement perdre des runes à cause de ça quoi. En fait, il faut se dire que vraiment le jeu est séparé en 3 parties. Tu peux faire de l'économie en vendant Ziggs et Caitlyn. Ouais, ça j'aime bien ça, j'aurais fait aussi. Le jeu Zaku est séparé en 3 parties. Il y a l'early game, donc tout ce qu'on vient de vivre jusqu'à maintenant. On va d'abord se focus sur ça. C'est pour nous ça, Ferrailleur. On joue Ferrailleur, je vois un truc Ferrailleur. Moi, vous gagnez un composant aléatoire tous les 3 combats. J'ai eu exactement ça la dernière fois. Et j'ai bien aimé. Je joue ça. En vrai, j'avoue que c'est jamais clear mind, enfin, donc lucidité. Parce que là, tout de suite, maintenant, c'est vraiment balèze lucidité. Mais on ne se sera pas balèze après. Donc on prend pas ça. Garde du corps, c'est jamais perdu.
parce que t'as deux gros gardes du corps devant, et s'il y a beaucoup de dégâts physiques dans la partie, là ça te donne une paire de Léona, et en plus un emblème garde du corps. Donc le 4 garde du corps, très vite. Moi je le trouve pas mal. Putain, moi et je trouve ça vraiment pas sexy. Bah en vrai ça va te carry je pense plus tard. Je le mets sur Trundle. Non. Non, je le mets pas tout de suite pour l'instant. Si, tu vas le mettre, mais... Trundle, ça change rien que ça. Ouais, tu peux. Alors du coup, juste ce que t'as cliqué, je voulais t'expliquer le dernier. Ah oui, pardon, sur Ferrailleur. Ouais, Ferrailleur, donc c'était Junkyard, Décharge. En gros, Décharge, ça te donne un composant tous les 3 rounds. Okay. Ça, c'est un augment qui est excellent, et vraiment excellentissime, qu'on aurait pris direct au tout début de la partie. Ah, mais là, c'est trop tard. Bah là, t'as perdu 2 composants. Et en vrai, quand il pense bien, la partie dans 9 rounds, allez, dans 12 rounds, elle est terminée. Et palmarès de cet augment te donne 4 composants. Ouais, donc 2 items complets, quoi. Et sachant qu'encore une fois, il faut que t'essayes de te poser la question, est-ce que ça me renforce maintenant ? Ouais. Toujours. Et là, pour le coup, non. Alors que le bodyguard, très vite, il va nous renforcer, parce qu'on va pouvoir rentrer un truc dès qu'on est un peu stabilisé. Là, du là, c'était un... Et en plus, c'était la paire de Léona. Qui là, si Léona elle passe 2, c'est vraiment la clé. Et je pense qu'en vrai, c'est une game Yone, a priori. C'est une game Yone. Je ne vois pas de Yone, mais je vois une Fiora. Parce que quand on parle de Yone, on peut me parler de Fiora aussi, non ? C'est tout à fait, ça marche. Donc je pense que Yone, on peut lui prendre un petit GA. Parce qu'elle a avec l'armure de Katarina. Sinon, tu prends un arc, sinon un gant. L'armure. Le gant est bien aussi. Petite armure de sécu. Moi je vois bien la game Yone, je sais pas ce qu'on pense dans le chat aussi. Et genre, Yone, on est d'accord, par contre, il lui faut les items, c'est vraiment ouais, okay. GA, Runan et le dernier truc là, je sais plus ce que la c'est. La Swisper. Ouais, c'est ça, on est d'accord que sans ces items là, Yone il sert à rien, non ? Enfin, c'est plus dur quoi. C'est effectivement un peu plus dur. Alors là, encore une fois, je rappelle le problème, même si on l'a déjà dit, c'est que Ezreal fatigue de ouf. Alors vraiment, il en peut plus, il est en mode laissez-moi tranquille, j'ai plus envie de jouer quoi. Voilà, on sait plus quoi faire là. Alors soit tu peux mettre de l'armure sur Trundle, il va falloir trouver juste un nouveau carry quoi. C'est ce que je me disais quoi, une petite armure Mais du coup on n'aura plus la GA quoi. Et on va vendre tout ça en tout cas. Soit c'est Trundle qui récupère tout donc tu peux le mettre vite. Okay. Et achète les unités comme ça, tu vois les Gangplank, les Taric. Tu vois Gangplank c'est une unité qui profite bien du Knife Edge. Donc si tu vois on trouve derrière un répétireur, ça peut faire des trucs sympas. Ok. Temporairement quoi. Là, il faut juste que tu trouves un autre carry. Donc, n'importe quelle option dans tes rolls, c'est là où il faut que tu analyses tes rolls. C'est qu'est-ce que le jeu me propose pour me sortir de ce S qui commence à fatiguer parce que c'est un one cost qui ne passe pas niveau 2. Et on arrive au stage 4 là. Donc, Ouais, là, c'est un peu la merde là. Il y a du scrap un peu partout. T'as du technochimiste un peu partout aussi. Du mutant. Ouais. Et un peu de pègre. Et nous, on a toujours ces Taric de merde, nous. Voilà, ouais, Taric, malheureusement, cette game, on peut pas le jouer. Parce que c'est et la c'est, case est trop mauvaise. C'est bien placé quoi. Sinon mes persos ou pas trop ? Alors pas du tout. D'accord. Parce que ça je sais pas où les mettre tu vois à chaque fois. En vrai je... Alors en vrai, la meilleure position de Ez c'est tout au fond à droite, voilà, exactement là. Tu vas lui mettre Ziggs tout derrière, même loin. Et le reste devant les tanks devant Ez. Mais c'est pas gênant qu'il soit pas en fil. Ouais on s'en fout les 25 mais non parce que Ziggs. En fait lui il te protège des hooks de blitz. Ah, ou okay. S'il y a un assassin qui saute, il va d'abord tuer Ziggs et ensuite il arrive chez les autres. Ok. Donc il faut toujours une petite protection sur le côté de ton main carry. Petite protec. Sachant que voilà, il faut très vite partir de Ez. On n'a pas beaucoup d'items à répartir, donc le ferrailleur est pas obligatoire. Non mais en fait là, c'est aussi la gestion du chill. Après on a 80 HP et tout, donc ça va. Mais c'est vrai que moi j'aurais tendance un peu à paniquer parce que là je ne vois pas. Enfin, je ne vois pas ce qu'on fait après, tu vois. Et c'est vrai que du coup, les transitions, c'est des trucs qui me... Voilà, il faut que tu donnes à chaque fois des mini-objectifs. Ouais. Donc là, regarde, par exemple, on est one-off de Léona, one-off de Gangplank. Il y a un monde où notre prochaine manière de jouer, c'est Gangplank 2, Léona 2. Là, il va falloir roll, parce que là, t'es un peu faible. Pas maintenant. Mais non, là, en fait, on va push niveau 7... Et on va roll pour aller chercher des Yone, des Yone. Il va falloir roll, moi je roll. Hein. Je... il va falloir. Moi je suis teubé, je suis plate. Hein. Je suis... Oh, ça non, c'est pas l'excuse. On va trouver. Ok, tu vas push. Donc et là, il va falloir être assez technique. Tu vas prendre des champions qui t'intéressent. Vas-y, push. Tu vas prendre Bay. Parce que c'est un champion qui peut être fort. Enforcer. Ouais, maintenant elle est bien. Et on a combattu. On va roll un peu.
Voilà, là, il faut pas avoir peur de rôle, par Ok, exemple. D'accord. Parce que maintenant, on est 7 et on a donc notre level up. Voilà, il y a un truc qui va passer niveau 2. Rien ne nous intéresse. Séraphine, on a vu que c'était nul. Blitz, est-ce qu'on va chercher le 3? Non, non, jamais 3, jamais 3. Okay, on s'en fout des 3. Ouais, ouais, bof. Là, Léona. Léona 2, tu vois. Là, déjà, c'est... tu t'es bien renforcé. Ok. Je te cache pas que je suis à... Si on gagne, je vends Ziggs et Caitlyn. Si on gagne pas, je vends un GP. Bah déjà, Ziggs et Caitlyn, tu peux les vendre depuis longtemps parce que tu les as déjà niveau 2. C'est vrai. Mais moi, il y a toujours, là, toujours ce petit doute de pourquoi pas niveau 3, tu vois. Jamais. Voilà, mais retiens, tu vois, ça, jamais. Je pense que 3. C'est la caractéristique du joueur naze, tu vois, sur TFT, mais il y a toujours ce petit... Ah, le niveau 3, il peut. Et t'as du coup, de temps en temps, ta game où ton perso, il passe niveau 3 et t'es en mode... Voilà, c'est pour ça que je le garde toujours, ces petits gars. Ces petits gars sur le côté, tu vois. Ils sont... Oh là là, me dites pas ça, il y a tout le monde. Alors... Pas GP. Alors le problème, le Yone, il a un tout petit défaut, c'est que là t'as pas... J'ai pas de challenge. T'as pas de challenger, et il casse tout le reste. Et GP, il est bien. GP 2 est mieux que Yone, je pense, mais il a besoin aussi de répétiteur. Pour l'instant, remets Ez à la place de Echo. Je voulais vendre le Ez pour avoir les items. En fait, Gangplank et Yone, c'est pas les mêmes familles. Gangplank, il est plus Urgot, ouais. Jinx et tout ça. Et Yone, il est plus Académie de Léona, Fiora et tout. C'est pour ça que je te dis que c'est une sortie Yone. Parce que t'as déjà Léona 2, t'as déjà Blitz 2, t'es en bodyguard. Mais du coup, là, étudiant, parce que étudiant 1, c'est un peu flingos, quoi. Enfin, c'est un petit boost pour eux, c'est pas. Okay, mais du coup, malgré ça, justement, on le rentre pas, quoi. On se dit pas, ça vaut le coup de perdre le ferrailleur. Si. En fait, là, il faut que tu changes un peu la famille. Ok, ouais, faut qu'on pivote là. Voilà. Je pense. Bon, Echo, c'est toujours une bonne unité. Ouais, tâche des GP, même si ça coûte rien, mais au moins tu te prends pas la tête. Oh là là, j'ai quasiment Yone 2. Hein. Là, alors là, ouais, là t'as Queen. Donc il y a un truc à faire ici. Ok, moi ce que j'aurais fait, bam bam, tac, hop. Là on hésite un peu. On peut rentrer ça. Là, elle, je la placerai là. Tac, avec Yone. Yone, toujours là où il y a Vi. Hein. Là où il y a Vi. Yone, c'est toujours sa place toute la game. Et là où il y avait Ezreal. D'accord. Voilà. Ah, et je vends Ez et je mets. Ouais. Tu mets Runan, tu peux mettre GA. Et tu mets l'arc. Attention, mets des défenseurs devant lui. Il a pas de défenseur. Mais il est pas. C'est et pas censé être un tank lui aussi. Vend Trundle. Non. Parce qu'il a des items Trundle. Bodyguard, tu peux le mettre sur Vi par exemple. C'est un tank. Alors il faut toujours protéger tes carries. Ah, mais moi je pensais que c'était pas un carry, Yone. Je pensais que c'était un tank. Ah ouais. Alors Yone c'est un carry et malheureusement en fait il est soit vraiment à chier dans 80% du temps, ouais. Soit il est vraiment très fort. Et là on est dans un cas où il est vraiment très fort. Ok. Et donc on va essayer, rappelle-toi qu'on a garde du corps 3 avec un beau Blitz 2, une belle Léona 2 et Braum c'est un super champion en late game donc on va pouvoir jouer 4 gardes du corps toute la game. Okay. Ça c'est une bonne nouvelle. On a paire de Yone. Yone il a besoin de Last Whisper. Oh, là, il y a un truc de fou. Alors là par contre il y a un truc. Oh là, ne me dis pas que c'est genre quand même pègre. Non. Il est parti. Non, c'est pas pègre. Ah non, parce que ça faisait challenge. Ah, mais t'es déjà challenger. Ah, du coup, ça me donnait un item challenger. Oui, oh là 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 là, putain, mais qu'est-ce qu'on a loupé. Je veux quoi moi j'ai plus ce que je veux là. Là, ouais. Quoi qu'il arrive, là, c'est de la merde là. Prends ce que tu veux. Arc, c'est jamais perdu en challenge. Ouais, Arc, ça régale toujours. Pire, c'est Titan. Mais... C'est nul, ultra rapide. RFC là. Ouais, globalement c'est pas ouf. Ok. Là protège bien ton Yone. Quand même. Donc là, essaye d'analyser quels champions servent à rien que tu vas devoir. Queen Ziggs. Tu vas devoir t'en séparer. Queen Ziggs, ils sont flingos. Bah non, Queen elle est bien. Moi je trouve ça nul. Là je fais quoi? Je push ou je roll? Non, t'attends, tranquille. Okay, imagine là tu push. Non, tu fais rien. Ah, tu gardes 63. Ah, oh, mais là je viens de rentrer un Galio qui peut faire très peur. Hein. Bon courage pour l'entrée. Ouais, c'est vrai. Mais il faisait plaisir quand même. Queen Dunshall, non mais je sais, non mais je parle du perso en tant que tel. On est d'accord que il est Queen, bien, non, il est bien. Pour le regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait la Queen maintenant. Elle va lâcher un gros disarm sur une unité sur un Twitch. Ça bug. Mais en fait, si elle est niveau 2, elle peut. Vu que les challengers, c'est une compo qui va très vite. Genre, ça c'est explosif. Queen, elle met un disarm. Ouais, et ça... en face, le carry se fait instant shutdown pendant 2 secondes et le fight est fini quoi. Ça te permet de respirer quoi. Voilà. Parce que là, tu vois, avoir 63 goals, ça me... j'ai l'impression. Ah, que... ouais. Ouais, c'est vrai. On va devoir aller au 8. On va devoir le 8. Oh, l'emblème de Chal qui fait qu'on change tout. Ou alors, on peut renforcer Fil du Rasoir.
Ou alors carrément aller... Oh, il y a tout qui est intéressant. Il y a tout qui est intéressant, ah, c'est différentes manières de le jouer. Je pense qu'on prend pas Challenger. Alors, les deux sont excellentissimes. Ce sera jamais perdu. Je sais jamais le troisième parce que t'as pas besoin de gamble alors que t'as deux très bons choix. Ok. Moi, j'aime beaucoup Knife Edge encore. Mais. Parce qu'en fait, t'as pas d'item pour d'autres carry. Genre, Fiora, elle a pas trop d'item. Ouais, au tout. Moins tout le monde est fort. Voilà. J'aime bien. Au moins. Et tu peux mettre Poppy, je pense, à la place de Caitlyn. Ou à la place de Vi, un truc comme ça, tu vois. En fait, le but, c'est d'avoir 4 bodyguards. Ça, ça te donne quoi? 100 d'armure de plus et un petit boubou quand même. Ouais, boubou avec le ferrailleur en plus, ça régale quand même. Ouais, et là, on continue. Vi pour Lulu, je pense. Vi pour Lulu, comme ça, tu gagnes un Yordle. Et je vends Protège ton Yone. Protège ton Yone. Ouais. Je protège pas mon Yone, moi. Je vends Vi et je le fous sur qui Ouais. Peu importe. Fous Ziggs. Et protège Ziggs. Ziggs derrière Yone. Oh merde! Pour les hooks. Derrière! Ah ouais, non, mais ça a été pas assez difficile de tout savoir là quand il y a des clics qui se perdent. Il y a des clics qui se perdent et on perd 65 d'AD1. Bon, Ziggs il a intérêt à bombarder. Oh, ça, t'as c'est... De... Là t'as deux Knife Edge, donc oh, c'est vraiment. Là, c'est... ton Ziggs c'est ton carry. Hein. C'est bad loss là. On a perdu 65 d'AD sur notre boss Yone. Là. Mais là t'es très bien, t'es très très bien. Oui, c'est vrai qu'on est bien. En fait, t'as réussi à créer, avec quelques rôles, t'as trouvé Leona 2, t'as trouvé un Yone 1, et tu vois, Yone, c'est un 4 cost. Donc, normalement, tu trouves pas de 4 cost niveau 2 au niveau 7. Oui. Donc, tu vas aller chercher le 8 pour te renforcer. Et regarde, on est très haut en PV, on a chill, on a masse écho. Et en plus, on se fait un peu d'écho avec 3 Yordle qui nous permettent d'avoir un petit 2 PO en plus. Ça, et voilà. Ça compense la défaite. Déjà, positionne-toi bien. Vas-y. Voilà. Ça, je sais pas où la mettre. Hein. Je la mets là, mais ensuite, on est tout non, paquet. Non, tu t'en quoi. Fous. Mais aussi derrière. En fait, c'est pas grave, c'est la pas d'AD. Je te conseille d'avoir Leona un peu en pivot au centre, tu vois. C'est défenseur central, Sami Traoré, quoi. Ah, parce que moi, en fait, comme elle a son passif qui fait gagner aux gens aux hexagones, j'aime bien la mettre au milieu, ouais, généralement. Mais... On s'en fout, quoi. Tu peux. Non, tu peux, mais c'est pas... En fait, elle donne de l'armure à d'autres qui ont trop d'armure. Hein. Ok. Là, on... Oh là là, le répétiteur, je sais pas. Je sais pas, j'ai... Non, j'en fous. Ok, j'ai... Sans gold, on arrête, ouais. Là, non? Ouais, là, tu peux push, et on va aller chercher les champions. Ok. Tu vas roll un petit peu. Leona 3, ça peut être très intéressant, parce qu'elle est vraiment forte dans ta compo. Janna, c'est très bien. Fiora c'est très bien. Ouais. Fiora, elle va rentrer... Janna à la place de Queen, vite fait. Et là, tu vas pouvoir... attendre un peu. Vends pas les champions direct. Attends un peu. Ok. Et maintenant, on met des items. Moi, je mettrais... Ah, putain. Alors, Giant Slayer est très fort sur Yone, si tu veux. Si t'as pas la Swisper, voilà, c'est un bon item de Shred quand il y aura beaucoup d'HP. Malheureusement, t'as pas de Morello. Mais il y a pas un truc à faire avec 4 ferrailleurs, là? Si, 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 je pense. T'as pas d'anti-heal aussi, donc peut-être que Sunfire, Leona, ça peut être pas mal, tu vois. Avoir une grosse Leona qui applique le heal à tout le monde... On m'avait dit que c'était nul, cool. Moi, mais moi, je trouve ça pas mal, Sunfire. Alors, Sunfire, c'est très fort en early game, quand les combats sont longs et tout. Mais là, t'as une Leona qui est intuable, en vrai. Genre vraiment Bramble, 4 gardes du corps, elle va appliquer à tout le monde, en vrai. Okay. Donc je pense que ça peut être pas mal de le faire. Oh, je continue à prendre des trucs, là. J'ai toujours 3 Yordle. Tac... Tac. Et la Fiora, il va falloir la stuffer parce que sinon ça sert à rien, non, Fiofio? Non, mais elle complète. Complète, t'en mets pas. Et du coup, là j'ai une position dégueulasse là sur. Alors, ouais. Léona un peu plus en pivot devant. Mais un cran à gauche, tout un cran à gauche, je pense. Ok, d'accord. Et Janna, tu vois, Janna, Luluzik, c'est des champions qui ont pas besoin d'avoir Knife Edge. Ils font pas de dégâts, tu vois. Ouais, j'aime bien. Donc, mettre Janna à côté des carry, mais. Non, parce que... Alors, je sais pas si tu le sais, mais Janna, son ulti, n'ulti pas que les gens autour d'elle. C'est toute la map. Ah putain, je savais pas. C'est une sorte de bug visuel. En gros, elle peut ulti un allié à l'autre bout de la map, quoi. Ah, je savais pas du tout. Donc t'es pas obligé, tu peux la mettre où tu veux, Janna. Et là, du coup, on a extrêmement besoin d'avoir Yone 2. C'est ton carry. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu partout, hein. On est un peu mais partout, bien, hein. Mais ouais, on a l'air t'es bien. T'es premier lobby, hein. T'es premier lobby. C'est vrai que... Et là, on va roll un peu. On va slow roll au-dessus de 50 gold. Ça coûte rien d'écho. Et il te faut Yone 2 à tout prix. Oh, ça, on sait jamais. Ouais, je pense que c'est sympa, quand même. Alors, ouais, on va virer Ziggs et Lulu. Là, on a plus besoin des Yordle compagnie. Et Jayce va rentrer. Et là, je sais pas qui peut rentrer encore. Il faudrait trouver une autre unité. Un Taric ou un... T'as plus besoin d'écho. Roll encore un peu. Tu vois, là, t'as pas trop Yone 2. Petite Séraphine, si tu veux, ou... Peu importe. Petite Léona, un peu bodyguard. Petite Léona de sécu. Et garde du corps, je le mets sur Jayce. Ouais. Excellent.
On le rend tranquille. Mais tu vois, là, on a une bonne équipe, mais on a pas mal d'argent. Mais on n'est pas loin d'avoir Yone 2, Fiora 2. On se rapproche de Leona 3, donc ça vaut le coup de roll, là. Tu vois, là, il faut dépenser. Parce que tu pourrais exploser le lobby. Oh, j'ai un Brome. T'as Brome aussi, c'est pas mal. Mais là, je vends les échos, là. Ils me servent à rien, les échos. Ouais, clairement, clairement. Echo, Queen, on s'en fout, quoi. C'est fini. On aurait pu jouer 4 Challenger, mais là, c'est fini. Janna, tu l'as déjà level 2, si je me trompe pas. Ouais, donc on va pas chercher le 3, quoi. Et tu vois, regarde le terrain, la Sunfire de Leona, c'est la dernière à crever. Donc tu vois que là, c'est efficace dans cette game. Ouais, bombarde, Leona, 1246, ouais. Hein. Putain, quelle femme. Super. Quelle panache. Alors là, regarde vite fait, les champions qui manquent. Il y a des champions qui n'ont pas d'objet à l'heure actuelle. Je crois que c'est Leona. Leona, tu vois, elle a un item slot. Fiora, elle a pas d'item. Donc on va essayer de les stuff. IE Fiora? Non. Alors toujours essayer de prendre un truc qui vaut pas mal de gold. C'est nul. Hoge, c'est bien. Hoge, c'est pas un très bon item globalement, mais sur Fiora, c'est pas mal. Ok. Et on continue de roll. Tu vois, on est toujours pas content. On n'a pas nos deux costs. Bon. Je vois 4 challenger. Brome va remplacer Poppy, d'ailleurs. Ouais. Fiora. On est toujours pas content. On n'a pas Yone 2. Pas content. Là, on est content. Putain, let's go, on est content là. Je me mets une Kai'Sa de ouais. Sécu, tu vois vraiment. C'est mais... super, bravo. Et je mets une petite main de justice à Fiofio. C'est super, bravo. Bah, bravo à toi. Mais rien à dire. Et là, regarde, maintenant tu vas analyser ta compo. Quels sont les meilleurs champions qui peuvent rentrer en late game? Là, il nous manque un Chal, 4 Chal, ça serait intéressant. Mais du coup, ouais. Putain, ça fait pas plaisir quoi, parce qu'il y a aucun Chal vraiment intéressant. Il nous faudrait une spat comme on a un arc. Mais bon. Ouais, après là tu peux plus avoir de spat, on est en late game. Ah. Donc. Et là c'est bien qu'on analyse, tu vois, t'as touché un des meilleurs. Genre Queen par exemple est excellente. On peut vendre peut-être les Leona, je pense que ce sera plus Leona 3. Parce que en fait là tu vas plus roll, comme t'es très content de ton terrain. Ok. À partir de maintenant tu économises. Tout à l'heure on était pas content. Ouais, là on cherche juste le bon truc quoi. J'ai quoi? Bah en fait. On est pas mal là quand même hein. J'avoue que... On est pas mal, là t'as pas besoin de rôle. Hein. Je vais faire ça. Ouais, Kai'Sa, elle a pas d'item, on a pas besoin de grand chose. Non, je réfléchis à qui pourrait rentrer, on cherche Queen, quoi, en fait, c'est ça? Là, typiquement, on cherche Queen, c'est un peu rare. Il y a Samira aussi qui est sympa. Libre à nous de virer le Jayce aussi. Tu vois, on peut virer le Jayce pour rentrer Samira. C'est... C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Hein. Parce que Jayce, on l'aime comment grand chose. Ouais, Jayce, on l'aime soit full stuff niveau 2, soit... Ah, Fiora, elle est bloquée, en fait. En fait, ce que j'aime bien avec ce Jayce là, peut-être qu'on va changer un peu le positionnement, mais bon, là c'est plus technique. C'est que, en fait, il a un shred d'armor, Jayce intégré. Quand il ulti quelqu'un, il lui enlève son armure. Oh là là, Kai'Sa, en fait, c'est nimp. T'as beaucoup de dégâts, mais t'as pas de shred d'armor. Hein. Dès qu'une unité a trop d'armure, tu vas un peu galérer. Ouais, on stock sur elle, quoi. Voilà, et Jayce il permet de casser ça, quoi. Ouais, mais en même temps, là j'ai potentiellement une Samira 2, mais ça. Oh là là, mais les items là, mais ce qu'on va se mettre. non, mais faut le dire quand même là. Non, mais à vous, là c'est. Là, moi j'imagine un. Pff, en même temps, est-ce qu'on a envie de mettre cette IE Kai'Sa? On a envie d'aller mettre IE statique Fiora pour vraiment en faire un très bon carry, aller mettre un deuxième statique sur Kai'Sa et peut-être aller chercher un Morello, mais très très bien quand même. Mais en même temps, Morello, on a déjà Leona, donc peut-être un Archangel pour Kai'Sa. Achète Queen et vend les deux Samira. Ça fait passer le palier, c'est même chose. Là, c'est sublime, c'est de l'art à ce niveau. C'est de l'art. Comme tu veux, alors je pense qu'il faut toujours te dire quel champion carry le plus dans ta compo alors, actuellement. Je pense que Fiora carry un petit peu plus que Kai'Sa. Au vu de. Elle est level 2, elle a Hoge, donc je pense que je mettrais IE. Les deux statiques. Je pense qu'il y en a un qui part sur Kai'Sa obligatoirement. Ouais. Et le deuxième sur Fiora, je pense. Enfin, t'arrives en late game donc. Ouais, faut qu'elle soit armée, hein. Vas-y. Et Janna, recule là, t'es derrière Yone pour avoir une protection de grab. Bien derrière encore. Même tu vois, elle attire les shakos sur elle. Putain, la Janna quoi. Et là, déjà, ton positionnement, faut faire gaffe parce que Yone et Fiora se bloquent. Faut que tu mais pourtant, ils ont. Ah ouais, non, ils peuvent pas passer à deux quoi. Faut que je la mette tout à gauche et Kai'Sa, on s'en fout, elle peut. Oui. Ouais, et ça, c'est pas un champion AD. Ils ont marre. Voilà. Donc là, c'est le problème, c'est que t'as une combo qui est très forte. Mais tu n'as pas la Whisper Yone. Et c'est pour ça que c'est un peu chiant, parce que Yone a besoin de Shred l'armor. Il est un peu vide. Et on est mal positionné aussi, mais ça c'est des détails, hein, c'est pas très grave. Encore une fois, le résultat de la game est pas si important. Et là je crois que t'as assez pour push, non? 64?
Putain, mais le mec, il est mathématicien en plus. Fais respirer la compo. Respire un peu la compo, là. Jayce devant Yone pour avoir le shred armor. Non, pas tout. Voilà, il faut que... Imagine le déplacement de tes champions. Genre là, Fiora et Yone, tu vois, ils ont 15 trous. Ils ont qu'un trou devant. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Queen, tu peux la mettre derrière aussi pour faire respirer. T'en fous de Naïfé. Voilà, et tu vois, alors, regarde un peu comment il se déplace. Yone va prendre le trou que tu vas lui donner. Fiora aussi. Shaco, il va target la Janna, donc t'as un peu plus de temps normalement. Et. Bon, après, il y a de la RNG, hein. ça je peux rien. Ah, ça a bien marché. Tout s'est mal passé. Ah putain, coup dur quoi. Mais non, mais ils ont respiré au moins, ils ont respiré un peu. Fais respirer la compo, voilà. Allez, le groupe vit bien. Non, mais un peu comme aux échecs, tu vois, genre quand tu fais un peu déplacer des unités pour prendre de la place sur le terrain, que tout le monde occupe tout, tu vois. Là, je suis à. Ça aurait fait plaisir, non? Un petit Tahm-Kench à la place de Jayce aussi, non? Non. Ok. J'aime trop quand il propose un truc. Oh, OMG, Tahm-Kench. Non, mais là, mec, mais bon, apparemment, c'est pas le bon plan. Mais... Si tu fais semblant de la mettre sur le terrain, mon battement de cœur s'élève. Tu peux attendre un peu, voilà. Ouais. Là, positionne-toi bien, fais respirer la compo. Bah, j'ai l'impression qu'il respirait là déjà. Ah là, c'est bien. Non, refais ce que t'avais là. Avec Jayce, un cran à gauche. Oh. Là, ça respire. Ah oui, comme ça part sur les côtés. Est-ce que je mettrais pas mon petit arc à quelqu'un quand même? Ah, Jayce, comme ça. Des peu. Allez, vas-y. Comme ça, il peut shred plus peut-être. Ah, regarde, et là, regarde le Yone comme il respire. Ah, ouais. Ah, c'est ouf, hein, putain. Le mec, il a fait 4 pas de. un peu de Zumba pour se faire des pop. Ah, je le rejouerais, hein, parce que il déçoit pas. Non. Bon, après, c'est... Voilà. Ah, il a quand même fait 7000 de dégâts. Non, c'est Fiora qui se branle, en vrai. Fiora, on lui a mis 3 items, elle me fait 600 de dégâts, mon frère, et je vais perdre là-dessus. T'as tout dit. Ah, je suis abattu, là. Bon, on prend quand même des points. Mais dis-toi que top 3, top 4, c'est un bon résultat dans TFT. Faut pas te dire, j'ai pas top 1 et tout. Non, ça, là, ce qui va te manquer, c'est peut-être un ou deux rounds où on a perdu des HP, on s'est mal positionné. Ouais. T'as pas assez roll, t'as pas trop yodé 2, donc au lieu de mettre moins 15 à quelqu'un, tu l'as mis moins 10, du coup il est encore en vie. Il y a plein de petits détails comme ça, mais qui sont pas importants. Ok. Non, parce que c'est vrai que là le positionnement était difficile, parce qu'en plus, c'était que les deux premières lignes. Mais de base. Ouais. Putain, bon, c'était pas mal. Non, mais pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Putain, non mais moi aussi, parce que j'apprends des trucs, tu vois, le truc de Janna et tout, je savais pas. Et c'est vrai que, si tu veux, non mais c'est bien au moins le côté où je te dis ce que je fais et ensuite tu me dis que c'est pas bien, tu vois. Mais au moins, tu sais, genre, je dis ce que j'aurais fait naturellement. Oh, il y a Shaun en plus, là. Mais, on en refait une? Ouais, on peut carrément. Je vais te montrer juste 2 minutes, ouais, un vas-y. Peu, sur l'all chess. Oh là là, mais ça débriefe le coach, c'est trop bien. Hop. Oui, il est parti. Ok, alors il faut que je revienne. Mais en analysant tes parties, rapidement, genre 2 minutes, ouais. T'as plus qu'en relançant automatiquement une game. Ok. Oh, mais ça, non, mais je reconnais le coach, là. Le coach... toi aussi, t'es coach, là, sur Epsi. Ah ouais, non, mais là, c'est... Je t'ai parté de mon écran. T'es où, t'es là? Attends, je fais un petit F5. Tac. Mais c'était bien, en règlement, c'était bien. Juste, surtout, l'early game qui était... un peu compliqué où j'étais fait une erreur avec Camille, etc. Mais tu vois qu'on a acheté Camille Ezreal, il fallait en gros dans notre tête te dire ok, quel champion passe niveau 2. On a eu 2 Illéans si je me trompe pas. Exactement. Donc c'était évident qu'il fallait jouer Singed, tu vois. Ok, c'était. Mais parfois tu les trouves pas juste, tu vois, non? Et en fait, exactement. Parce qu'on est d'accord qu'il faut pas roll au tout début. On roll jamais au tout début. Jamais. Ouais. Bienvenue et à Blanchard, c'est marrant ce que je vois dans le chat qui a dit c'est tellement bien le concept, sur ma vie j'ai pris des notes. Bah écoute, profite. Non, mais c'est trop bien les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, TFT, en fait, l'entrée dans TFT est très dure quoi. Donc c'est vrai qu'il y a la compréhension juste, c'est comme le poker, de base du jeu. Et ensuite t'as les détails de bien comprendre tout le niveau de profondeur dès que t'as compris juste les bases. En vrai c'est trop cool. Respirer la compo. Les gens te remercient, ils kiffent trop aussi moi dans mon chat. Donc Bon, trop bien. On en refait une dans tous les cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, sur le starter, et c'est pour ça qu'en fait, il faut s'adapter à chacun de nos rôles et que ça va être un peu compliqué. Comme t'avais un Ez 1, mais que t'as eu une box Leona, en fait, le Ez, on voulait avancer dans les levels, et Ezreal, il n'arrive pas à suivre le rythme. Parce que Ezreal, il faut que tu restes au niveau 3, qu'il passe niveau 2 très vite, etc. Et c'est pour ça que je te disais que le Ezreal fatigué, parce que tu lui avais mis un Runan, mais il passait jamais 2. Et donc. C'est comme ça qu'il faut penser, comme le Ezreal fatigue, tout ce qui tourne autour de Ezreal fatigue. Donc Zilean et Singed fatiguent. Donc on tèche ça. Donc ça, c'est fini, on part sur autre chose.
Et voilà, et comme en fait Blitz est un des meilleurs champions du jeu en early game, parce qu'il a trop des bonnes synergies, son hook est chiant, pas géré pour les gens, il est trop bien, et t'avais Leonard. Donc en fait, t'avais un champion qui fatigue, et t'avais deux champions qui étaient plutôt solides. Donc c'est pour ça que là, je t'ai dit que c'est une game a priori Yone, parce que avec Leonard 2, frontline garde du corps, on joue soit Yone, soit Jhin, en règle générale. Ok. Et Jhin, t'avais Knife Edge, donc ouais, le truc qui file du rasoir. Donc pas bien, donc c'est Yone, quoi. Exactement. Donc tu vois, on l'a un peu amené comme ça. Donc on a fait Runan, donc on a tenté de faire de la Swisper, etc. etc. quoi. C'est comme ça qu'il fallait penser. Et puis sinon, le positionnement classique, c'est ça en gros. Tu vois, je te le remonte vite fait. Putain, j'ai envie de te sucer. T'es trop intelligent. Alors... Non, mais c'est trop bien. C'est genre. Parce que toi, c'est des automatismes. C'est pour ça que t'es aussi fort. T'as toujours réfléchi au truc, mais c'est. Tu sais, quand t'as. Petites games, mais tu sais, les logiques de putain, donc on a ça et tout, mais j'ai pas du tout les logiques de famille. C'est excusez-moi, et je me suis un peu emporté. Non, mais pas de soucis, on en parlera sur WhatsApp, hein, y'a pas de problème. Excuse-moi, désolé. Mais on y va, je suis là, toi, hein, si avec plaisir. Non, en plus, je suis pas là, on n'est pas là. oui, reprends, pardon, je t'ai coupé. Non, mais voilà, on est amis avec P1, je veux dire, c'est ami, c'est pas grave. Y'a pas de malentendu de mon côté, mais ce soir. Alors, donc voilà, en fait le positionnement c'est ça, donc t'as Ezreal qui peut bombarder, t'as Zilean qui protège des hooks de Blitzcrank, de Shaco, etc. Et derrière t'as le pivot de Leona qui permet de protéger contre tous les ennemis quoi, devant. Okay. Donc ça c'est un peu le positionnement qu'on va essayer de reproduire. Sinon tu vois, si t'as un carry de loin, tu peux faire un truc comme ça et... Mais Leona aussi avancé quoi, pour vraiment tanker et... Ouais. Ok. Ouais, Leona elle peut prendre tout le monde quoi. Okay, Léona est vraiment très tanky quand même. Et elle a l'air bien cette petite case à droite là, deuxième tout à droite là. Ça a l'air d'être elle un truc souvent utilisé. Trop bien. Elle protège bien en vrai. Et il y a la même du coup à gauche en troisième rangée. Et vu qu'on était en fil du rasoir, tu pouvais pas l'utiliser. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est les cases un peu. Parce que c'est vrai que niveau positionnement c'est tout un truc aussi, mais je suis bien du père quoi. Je me demandais aussi en règle de base. À quel moment faut être à tout prix? Genre au 3.2 faut être à tout prix 5 ou 6, non c'est combien? Enfin, c'est quoi les codes où, entre guillemets, quasiment peu importe la compo, tu dois toujours avoir level up à ces stages-là? Alors, 3-2, c'est level 6. Ok. Et 4-1, c'est level 7. Ok. 3-2, 6-4-1-7. Ok. Voilà. Le 8, après, ça dépend. Mais le problème de ça, c'est que c'est ce que tu dois atteindre, c'est l'idéal, mais il faut que tu aies une bonne gestion d'économie en early game. Et ça, c'est plus technique. Ok. C'est plus technique parce que... en fait, si tu as une mauvaise gestion d'économie et que tu fais ce rythme-là, tu risques de te retrouver un peu short en économie. Donc, nous, en fait, l'idée de ce qu'on va faire dans cette prochaine game, c'est on va essayer d'avoir un bon early game, et dès qu'on a une équipe titulaire, on en est content, on va jouer avec, on va jouer autour, et on va vendre toutes les autres options. Okay. On va dire ciao à tout le reste. Okay. Comme ça, on va pouvoir commencer à gonfler notre économie pour voir un peu au level 7 ce qu'on rollera. On ouvre beaucoup au début, puis d'un coup, on referme justement sur notre compo, et ça snowball dessus. Ok. Et analyse bien tes rôles aussi naturels, parce que parfois il y avait des... Bon là, Taric c'est un super exemple, parce que Taric, tu vois, t'as eu deux Taric naturellement. Ouais. Taric c'est un super champion dans la méta, en standalone, il donne la case socialite. Et en vrai, tu vois, il aurait pu rentrer juste comme ça. Genre juste un Taric 2, et bon bah cool, un Taric 2. Donc c'est pour ça que d'acheter tes rôles, ça peut être toujours intéressant. Ok, je vais prendre un Arc. Vas-y. Je pense que Arc c'est très... Alors Baguette c'est très fort, parce qu'il y a la compo Kai'Sa. Mais bon, ça c'est vraiment une compo spécifique de la méta, donc ça t'apprend pas à bien jouer forcément. Donc je te conseille pas forcément. Mais sinon, l'arc est très bien, je trouve. Pour Urgot, okay. Jhin, tout le monde aime Last Whisper à l'heure actuelle dans les carries. Donc si tu l'as, tu le fais quoi. Ok. Ok, très bien. Vas-y, je te dis sur les prochains rôles mes réflexions. On avait vu Illaoi, justement, Illaoi, il y a du mercenaire, donc ça peut déjà être intéressant. On voit déjà de la synergie. Ouais, mais là, un arc, on va la vendre. Hein. Ok. Oh, une box. Oh, par contre, Zach, on a dit quoi? Bah, Zach, on a dit Sago. Pas mal. Zach, on n'hésite même pas. Est-ce que je... Non, je vends pas parce que ça peut nous faire gagner les premiers rounds quand même avec le combattant. Moi, je me dirais ça, non? Regarde tes rôles. Mes rôles, bah, on a dit... Rappelle-toi, il y a un champion parmi les 5 qui aime bien les brawlers. Hein. Ouais. Ce qui était... Parce qu'on joue avec Vi et on a une forceur. Et Zach, c'est vraiment... Donc, Zach, en fait, ça va être un peu ton pilier d'early game. Donc, on va essayer de jouer un peu avec. Mais c'est n'importe quoi! Je me prends un petit Graves de bonus. Non, Graves, j'en aime jamais. Les unités qui commencent les combats sans alliés adjacents gagnent un bouclier équivalent à 35%. C'est pas mal, mais c'est chiant. Tous les soins et boucliers sur vos unités augmentent de 35%. Ah,
raison. À vous, c'est chiant à faire à chaque fois exilé. C'est excellent, hein. C'est pas mal, mais chiant. Genre, non, mais ça casse les couilles, t'es obligé de tout faire dans le board et tout. Mais on prend prends ça. Exilé, allez, prends exilé. Prends exilé. Alors là, regarde, là, t'as manière de faire un bon board 3 étoiles. Ouais. Bah, ça, même. Parfait, faut... excellent. Okay. Excellent. Non, mais ça, c'est vraiment bien. Alors, Caitlyn, tu vas la mettre derrière parce qu'on a plus Knife Edge. Et tu vas. Non, bien derrière. Pas besoin de la mettre sur le corner. Et là, t'as exilé, donc oublie pas que tous tes champions doivent avoir une case d'écart. Mutant. Toute la game, ça va être comme ça. Hein. Le mutant, c'est l'armure, résistance magique. On s'en fout. Wow, ok. J'aurai pas mutant. Mais vends pas parce qu'on joue pas. Garde en option. Oui, c'est vrai, tant qu'on a pas 10. Eh, regarde, je vais avoir 10, gros. Et je vais vendre fais, le lieu. Fais les 10. Voilà, fais voilà. Et je garde Singed, pourquoi technochimiste, on sait jamais. Ouais, on s'en fout. D'accord. Ok, donc là, regarde, on a un board. Alors, c'est intéressant parce que on a pas un très bon board, mais on a une bonne économie. Mm. Donc, on va se laisser un peu perdre, sans non plus trop forcer la win streak, etc. En revanche, deuxième point, c'est que là, on a déjà des unités qui coûtent 3 et 2, qui synergisent bien, etc. Donc, on va plus... En fait, le niveau 3 nous intéresse plus trop. Donc, on push. Le niveau 3, il fait chier. On peut push, c'est pas grave si on perd quelques gold. Au moins, on peut mettre la pression. Parfait. Merci. Et là, en fait, tu vois, genre, dans les odds... Donc, tu vois, là, au-dessus de Katarina, il y a les pourcentages des rolls. Mm. Et en fait, nous, comme on veut chercher Zac 2, Vi 2, on veut chercher des meilleurs champions, et on veut pas se faire chier avec des Darius, des TF, des ouais, machins... on peut plus. Et ben, on force un peu le push, quoi. Et mais du coup, si on veut pas ça, on peut quand même, puisqu'on va gagner, vendre Caitlyn, Singed et up, non enfin... Je pense pas qu'on vende Caitlyn ici. Okay. Tranquille, c'est pas grave, juste... Ouais, parce là, qu'on peut aimer quand même une petite Kite 2 de sécu, quoi. Quand même, ça fait toujours plaisir et le 1 gold. On slam pas Runan? Alors, si tu slams Runan, tu vas forcément devoir jouer, a priori, Yone ou l'autre, Urgot. Et là, vu que t'as un start brawler, c'est intéressant. Donc de... Mais en fait, si tu fais Runan, tu te fermes Jhin, parce que souvent Jhin il aime pas trop Runan. Mais en même temps. Mais bon, il aimera quoi d'autre avec ça? Il aime IE lui. Il aime IE la Swisper. Il va nous faire chier, de toute façon. Ouais, il nous emmerde, allez hop là, allez, ça se slam, allez hop là. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive à ce con? Et Singed il dégage. Voilà, lui aussi. Bon. Parfait là. Va nous faire chier là. Non, mais attends. Mais c'est vrai que c'est... Tu trouves ça nul, technochimiste Parce que là, ça a pas l'air d'être une option pour toi. Alors que moi, c'est vrai que quand j'ai combattant, notamment avec un Zac, je me dis, bon, bah pourquoi pas, quoi. Mais là. Regarde, lui, il joue technochimiste. Toi, tu joues ce que tu veux, on va voir ce qu'il gagne. Bah. Oh, non, mais dis pas que c'est un comeback, putain. Eh ben non. Oh le. Oh là là. Et l'ulti, c'est magnifique, Sean. C'est magnifique ce que tu fais, en fait. C'est. Tu fais du bien à cette communauté. Voilà, c'est. Voilà. Technochimiste, du coup, c'est nul. C'est chaud, hein. Oh là, mais. Et là, alors, attends, je t'arrête, mais regarde. Comment c'est intéressant qu'on ait push. Tu vois, là, tous nos rolls sont des 2 costs, des 3 costs, etc. Et on a gardé nos PA. Et là, le jeu te récompense. Il te dit bravo, PA. Putain, mais merci. C'est gentil. Shogat, est-ce qu'on est trop tard sur un 2.3? Dis-toi que Shogat, il est toujours trop tard. D'accord. Et c'est plus facile, voilà. On n'aime pas Shogat? Non. Ah ouais? Pourquoi on n'aime pas Shogat? Et là, regarde. Parce que Shogat il prend 2 places. Ouais, c'est ça qui nous emmerde. Et voilà, c'est comme Jhin Runan, il nous fait casse tes couilles. Hein. Non, j'allais dire, je suis à 2 doigts de pré-push en vendant si on gagne, mais. Mais si on gagne. On gagne quoi qu'il arrive là en fait. Et ouais. Je pré-push. Et en plus, là t'as un joli 4 brawler qui peut arriver. Hein. Oui. Fait mal celui-là. Sachant que Exile c'est un shield en fonction des HP et que Brawler donne beaucoup d'HP. Oh, arrête! Damn! Oh non, mais là on est. C'est déjà gagné. Cette game elle est déjà gagnée en fait. Ah bah gros, là c'est free. Hein. Là c'est une game. C'est tout droit pour toi. Oh, yeah. Donc là on vise Urgot ou Yone. Mais a priori Urgot, ok? Parce que là Urgot c'est un monster. Donc tu dois avoir Runan, la Swisper. Sinon, dans les carousels, quand tu sais pas quoi prendre et que tu snowball et. Plus t'apprendras à bien jouer et plus tu joueras comme ça. Essaye de viser les golds surtout. Ok. Donc là, prie au gant, parce que c'est une bonne item pour toi. Sinon, regarde au niveau des golds, t'as Négatron 3 golds, t'as armure de golds qui peut Négatron être bien sur un Négatron pour Runan était bien sinon quoi. Armure ou baguette, c'est très bien. Mais la belt elle a un gold donc elle est chiante, tu vois. Ouais, non, ça je... Sauf si armure, vraiment... Sauf si j'en avais besoin pour un... Comment ça s'appelle? Pour un petit Morello ou quoi. Tu t'aurais pas fait, tu vois. Voilà. Non, pas besoin. Belle analyse. Non, pas besoin. Est-ce que ça vaut le coup d'être... On aime bien quand même Sniper. À quel point Sniper, au début, on n'aime pas tant que ça, non?
En fait, c'est ok, mais Caitlyn, c'est un champion qui a pas trop besoin de sniper. Tu sais, elle a un ulti qui one shot généralement. Ouais. Donc t'es ok. Et en plus, si tu gagnes, tu pourras vendre Tristana et Illaoi. Parce qu'Illaoi, on a très vite envie de la remplacer par un autre. C'est nul, Illaoi. C'est nul son spell. Hein. Bah, en fait, il est bien en early game. Parce qu'en gros, son spell dit que si elle ulti quelqu'un, toutes les personnes qui vont ulti la même personne, bah, la régène. Sauf que bon, bah, si elle tank pas beaucoup. Ouais, parce que souvent, ça meurt au moment où. Elle ulti au moment où le perso meurt, donc le lien il servait à rien, typiquement là. Non, bon, là, c'est pas un bon exemple. Mais... Donc, comme tu veux, soit tu fais 20 goals et on passe en late game, soit tu veux garder la paire d'Illaoi, mais sachant que tu es niveau 5, tu as moins de chances de trouver des one cost. Ouais. Donc, il y a peu de probabilité qu'Illaoi vienne. On s'en va. Ou, bon. Donc, on se dit, on s'en va. Illaoi, on fait son toit et on attend Mundo, quoi. Putain, le Mundo, là, il va faire mal. Hein. Et ensuite. Alors, tu vois, il y a la Lissandra qui est dans le rôle et je vois des gens dans le chat qui me demandent. Tech, ouais. On prend pas Lissandra. Pourquoi est-ce qu'on la prend pas, à ton avis? Parce qu'on va faire 3 technochimistes avec Zac, Mundo et Urgot. Oh, me dis pas non. Y a pas d'érudit. Non. C'est qu'on joue. Non, mais en fait, non elle rentre pas tout de suite, déjà. Ok. Elle rentre pas tout de suite et du coup, ça sert à rien d'économiser des choses si elle rentre pas. C'est vrai. Et deuxième chose, on n'a pas de Morello. C'est vrai. On a ni Belt, ni Baguette. Donc Lissandra, c'est Morello ou rien, ok. Franchement, ouais. Franchement, bon, après, elle rentre bien des synergies et tout, mais. Bon, les Warwick, on s'en fout, là, on s'en fout un peu de tous, là. Bah là, tu vois, il faut vraiment faire attention à pas perdre ce round parce que. Entre gagner et perdre, c'est huge. Parce que là, tu passerais à 30 goals en 5 wins d'affilée, donc tu gagnerais 11 goals de bonus. Et en face, il a un petit innovateur, il nous emmerde. Hein. Là, ça va pas être simple. Hein. Va falloir se bagarrer, les gars. Heureusement, il y a du Vi qui a fait. Vi a fait du bien. Vi... Oh là là, il n'y a aucun combat. La Vi 2, honnêtement, on peut la remercier. Oh. Hein. La Vi 2, là, elle nous fait notre game, cette Vi 2 là-dessus. Très très bien cette vague. Et tu vois, on n'a pas trop besoin de sniper aussi. Tu posais la question tout à l'heure. Et maintenant, le plus important pour toi, c'est de regarder un peu les synergies. Qu'est-ce qui rentre au level 6 et qu'est-ce qui fatigue? Il a eu fatigue, là, on a une prio sur combattant. On commence à avoir une fatigue sur Caitlyn, là, qui commence un peu à... Ouais. Elle tient encore, heureusement qu'il y a une forceur, mais bon, à terme, c'est vrai qu'on ira chercher, je pense, une Jinx. Je pense que ça va être Urgot Jinx, hein, mais on n'est pas du tout dans ces levels-là. C'est l'idée. Et voilà. Et donc là maintenant, tu vas jouer aggro level 6. Soit tu vas jouer Ferrailleur du coup pour booster Strundle, soit tu vas aider avec un petit sniper à la Jinx, la Caitlyn, tu vois, je m'y vais. Et il y a Kog'Maw. Donc éventuellement, petit Kog'Maw, ça peut être pas mal. Ça dépend s'il y a des golds ou pas. Ouais, petit Kog'Maw. Un petit Kog'Maw. Prends le Warwick aussi. Et au niveau des items, alors qu'est-ce qu'on fait au niveau des items? C'est intéressant. ZZ Rot, tu trouves que c'est nul, non? Ouais, ZZ Rot, fais pas. Titan qui peut être bien, mais en même temps, l'arc, on en aura besoin, quoi. Donc ouais, je suis un peu d'accord. 3.1, faut level up. Non, c'est 3.2, pardon. Oui, mais là, on va push parce que tu es en train de défendre une win streak de 5. Okay. Et que tu es fort, tu peux rentrer un truc. Parce que Kog'Maw rentre bien. Ouais, Kog'Maw est pas mal, sachant que Warwick, il sert à rien. Voilà, et puis si tu gagnes, tu pourras acheter la Lissandra. Mais pas Titan, je pense pas que t'as Titan. Là, il faut essayer de viser le Beast de Urgot, Runan Last Whisper. Et donc là, t'as deux choix. C'est soit tu fais Sunfire Trundle et tu snowball. Soit tu attends pour avoir Morello, Lissandra au cas où. Snowball. Et si tu veux snowball, moi ça me va. Ouais, vas-y. Et là, tu mets l'autre arc sur Caitlyn ou Trundle. Ça aurait pu être bien. Parce que Trundle, si on rentre un scrap, il peut être bien. Et donc là, comme tu as Slam Sunfire, eh ben on s'en fout de Lissandra, quoi. Oh, mais lui, il était AFK, lui, non? Lui, c'est terrible, lui. J'aime. Oh là là, et on perd et là, pas un tu commences aspect. À bien jouer. Et tu vas en parfait. Tu gardes des meilleures unités, tu gardes des options. Tu as toujours options. Ouais. Et que... J'avoue, il a du respect. Non, mais le mec était en galère de fou, quand même. Alors, on garde pas Armor pour Géa Urgot si on n'a pas de Gankaru. Il pouvait. Mais alors, Géa Urgot, c'est pas un si bon item que ça. Si on n'a pas d'autres sources de dégâts. Si on n'a pas Knife Edge, typiquement. Et là, ce qu'il fallait faire en vrai, c'était Arc Trundle en espérant qu'il y ait un Echo. Mais bon, ça c'est plus. Ouais, là je rentrais à Echo et c'était la folie. Et t'avais Scrap et tout. Sauf que bon, Kog'Maw il est moyen. Est-ce qu'on préfère Kog'Maw à Echo? Ça c'est la question. Hein. Moi, je me dis que ça fait toujours plaisir. Ouais, son passif, il fait plaisir, là, l'ulti, là. Il va booster un peu les dégâts des mecs. On aime bien ça. Du coup, je vends. Mais Lissandra, on va pas là. Bon, on garde des options. Je vends Coq, quand même. Il faut regarder. Alors, en fait, si tu gagnes, tu peux avoir paire de Kog'Maw. Ça, c'est un bug. Parfois, tu cliques sur le mec et tu peux plus faire autre chose que le vendre. Ça arrive, ouais. Je sais pas comment. À chaque fois, je veux le reposer. En fait, quand je prends. Bon, je vais pas le faire, mais quand je prends un gars,
si je le repose. Ah, mais... Je crois que si tu fais Alt-Tab, parfois ça enlève le bug. Enfin, genre, tu sais, au cas où il y a un. Oh, ouais, non, je sais pas. Je vais essayer. Ouais, non, mais. Le fameux bug. Alors, jamais fil du rasoir à ce moment. Unité sans objet, ça peut être intéressant vu le nombre de combattants qu'on va avoir. Oh, par contre, ça, moi, j'aime bien. Attends, tu viens de dire quoi là? Bah, on va pas avoir d'objets sur nos combattants, donc ils vont être plus tanky. Alors, le truc, c'est que. Bon, il y a Exile, donc ça peut être un petit peu compliqué niveau positionnement, mais alors, fil du rasoir, c'est le meilleur Ogbon pour Urgot. Oui, mais là, c'est de la merde avec notre exilé. On s'en fout, elle a pas sniper. Après, avec exilé, c'est un peu plus chiant, je suis d'accord. C'est un peu plus chiant. Parce qu'exilé, on est forcé d'être niqué, quoi. Moi, j'aurais mis secteur commercial. Non, c'est jamais ça. Ok. En fait, t'as pas besoin de rôle, t'es super fort, tu veux juste aller au level. C'est sympa de rôle, c'est le plaisir aussi. Donc, moi, je pense. Alors, moi, je pense qu'ici, ça peut être armure improvisée parce que tu as des brawlers, ils ont beaucoup d'HP. C'est exactement ce que j'aurais fait. Ils ont des shields. Mais parce que fil du rasoir, déjà qu'exilé, c'est technique, là. Une épine dans le pied, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, y en a... tu profites pas d'exilé, en fait. T'es tout de suite mort, c'est quoi. Compliqué. C'est plus compliqué. Après, tu peux faire normalement un peu un damier, tu vois. Ouais, mais... t'en as un ou deux. Mais déjà que parfois, exilé, là, quand on va être niveau 8, ça va être une galère, donc... Mais exilé n'est que bien pour le carry. En fait, toi, la game d'avant, par exemple... pas exilé. Fil du rasoir. Knife Edge. Eh bien, que pour le carry. Toi, t'as voulu mettre tous les champions. Tu mettais Ziggs, Lulu, Janin, tout ça dans les cases comme un pack. Mais eux, ils s'en foutent. Ils attaquent pas. Ah, des petites auto-attaques à 40 d'AD en plus, je me dis. Mais pas en stage 4. Le Ziggs, il tabasse après. Hein. On se rend pas compte, mais... Ça marche pas comme ça. Non, mais c'est vrai que... Donc là, ça a de la rentabilité parce qu'encore une fois, c'est un choix logique ce qu'on a fait. Donc, avec ton Ogmot exilé, donc j'apprécie la réflexion. J'ai un Mundo Armor. Le Orgot m'intéresse pas. La baguette, on va rien en faire. Ginzur était pas mal en vrai. Mais. Ouais, regarde ce qui traîne, t'as arc qui traîne, c'est ça? Ouais, il y a de l'arc, ouais, un arc. BF est bien. BF pour faire quoi? IE ou GA sur Urgot? BF. Alors en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure avec GA, c'est que si tu as Runan, GA, Urgot, en fait, il y a quelques semaines, il a été nerf parce qu'il faisait trop de dégâts avec ce stuff-là. Il va faire moins de dégâts, donc du coup, on doit lui mettre un item offensif. Ou bien, justement, avec un Knife Edge. C'est plutôt pas mal. Là, t'as deux choix. C'est soit tu attends pour avoir Last Whisper plus un truc, soit tu slams tout de suite GS, qui sera jamais mauvais. C'est comme tu veux. Après, tu peux prendre un slam, hein. On serait même perdu le slam. Allez. Et je push. Je pense que tu peux push Kog'Maw là. Parce que. C'est. Terrible. Après, ça fait pas de mal, un Zac de plus, bien tanky. Hop là, comme ça, il prend le focus de Kata. Ce qui fait que ça va pouvoir. Oh, il a Samira. Mais tu l'as one shot, non? Grâce au Zac? Oh là là, le Zac. Hein. Au final, le Zac qui nous permet de conserver cette streak. 40 gold. T'as déjà Vaille 2, t'as déjà 30 gold. Rappelle, c'est jamais. Bah, j'ai vendu niveau 3. En vrai, c'est Zac diff. Hein. Ce move là. Bah ouais, hein. C'est peut-être la Domingo de TFT. Oh. Rentrer un Zac central. Oh là là. Waouh. Putain, quel move. Tariq, bien sûr, qu'on va tester instantanément. Intéressant. Super. Tu vends. Ouais, c'est ça. On le veut que pour les carrés, quoi. Non, mais là, on va pas. En fait, le souci, c'est qu'on va pas perdre une fois, là. Oh, t'es en train de massacrer la partie. Putain, c'est fou ce qu'on fait. En fait, si tu fais des bons plays. Et que tu es un tout petit peu récompensé par le jeu, tu détruis les parties. Il faut que tu te dises ça. Là, on va chercher le 8 pour être sûr d'avoir du Urgot. Enfin, du Urgot. Oui, Jinx. Oui, c'est ça. Là, c'est là, tu commences vraiment à fatiguer au niveau de Caitlyn. Regarde-le en face. Oh là là, que ça soit son placement ou son board. Mais on est où là? On est où? Excusez-moi. Oh là là, c'est pas possible ça. En vrai, il fait d'un pas. Mais c'est pas ton niveau ça. Hein. Non, bah, je les fume. Mais non, ensuite là, niveau placement, ah, quand même il tabasse hein, son. Et Merdinger, alors, protège un peu la Caitlyn, tu sais, avec Kog'Maw, il faudrait que Kog'Maw soit sur le corner. Comme ça, s'il y a un hook, là c'est le moment où il faut que tu scoutes un peu, t'as rien à faire à part scout, à prendre tes paires. Donc regarde déjà ce que les gens jouent, essaye d'analyser. Alors lui, il joue quoi? Impérial mutant. Donc on s'en bat les couilles, en gros, il joue pas notre compo. Mercenaire sniper, un peu de brawler, mais un peu du père. Là, on a du gros brawler, là, qui nous ressemble un peu. Non, mais regarde ces Dogmans. Regarde ces Dogmans. Ah, Challenger. Ah putain, ouais, donc, ça se reconnaît. Donc il pas d'Urgot. Érudit, combattant, il fait. Aha quoi, plateau solaire. C'est le gars qui vient de battre, il joue Urgot. Ouais, lui il nous emmerde. Il y a peut-être deux joueurs d'Urgot. Il y en a un autre qui va chercher. Il y a beaucoup qui vont chercher du Urgot hein, quand même. Hein.
Ce qui est normal à l'heure actuelle, c'est fort quand même. Et t'en as un. J'en ai un. T'as Janna aussi qui est bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je pense que c'est Janna à la place d'Echo. Après, je sais pas si tu vends déjà Caitlyn pour mettre le stuff. Ouais, c'est ce que je me demande. Ah, t'as Kog'Maw qui peut rentrer à la place de Caitlyn pour donner répétireur. Donc... C'est pas déconnant. J'ai un Morello, hein. C'est là où Lissandra revient peut-être dans nos calculs, là. Ouais, sauf que t'as Sunfire, donc... Mais après, c'est pas très grave, mais bon. C'est... À toi de voir. Ouais, à voir. Le placement, il est bien de la frontline, là. Avec, j'ai mis les deux niveaux 2 au centre. C'est super, parce que tu joues autour d'exilé, tu couvres tout, a priori. Maintenant, il faut que tu protèges bien Urgot. Ok. Avec une Janna, notamment, dans le coin, quoi. Mais, ouais. Mais la question, c'est... Parce qu'il faut le protéger, mais qu'il soit quand même un peu loin pour pouvoir avoir exilé, quoi. Exactement. Mais là, tu le fais bien, ouais. Donc là, tu mets la pression au lobby. T'as un champion qui rend très très bien à l'heure actuelle. En plus... Un seul champion. Là, tu vas push niveau 8 parce que tu mets la pression au lobby, t'as beaucoup d'argent. Ah bah, Lys avec Erudy, quoi. Ouais, super. Erudy et Technochimiste. C'est vrai. Bon, là, il faut commencer à faire des maths, là. En fait, c'est souvent le damier, tu vois, c'est genre... Mais là, c'est bien, Je te propose de mettre Urgot à la place de Lissandra, tu changes la position des deux, juste. Voilà. Là, ça va être bien. Toute la game, ça va être ça, je pense. Ok. Et Morello, je rentre? Non, on n'a pas besoin de Morello, parce qu'on a déjà Sunfire. Alors, c'est un peu technique, c'est vrai, parce que comme t'as déjà Sunfire, que t'as beaucoup de tank, que Sunfire ira sûrement sur Mundo, t'as pas besoin d'avoir deux anti-heals. Oh, pardon, excuse-moi. Deux anti-heals. L'autre question qu'il faut te poser, c'est... qu'est-ce que tu fais avec Belt et Baguette? Ça, ouais. Ouais, parce que Ginzu, c'est nul sur Urgot. Ginzo, c'est pas un super item, effectivement. Okay. C'est possible, parce que en fait, Ginzo, c'est un item qui scale avec le temps. Ouais. Mais globalement, sur ce set, il y a des fights qui peuvent être très rapides ou d'autres plus lentes. Mais là, comme t'as Exile avec un shield, en vrai, le fight dure un petit peu. Ouais, donc c'est jouable, quoi. Les échos, on continue à les garder ou... Finito. Et là, maintenant, t'as deux choix. On roll un peu. Soit tu fast 9, mais soit tu slow roll au-dessus de 50 gold toute la game. En attendant, voilà, tu vois, c'est pas parfait. Pas grave, on descend à 40 gold, mais on a des bonnes unités, donc on est content. Là, tu peux stop. Ah, ok. Parce que moi, parfois, quand je passe un cap, tu vois, quand je descends sous les 50, j'aime bien y aller jusqu'au bout, quoi, tu vois. J'aurais pu aller jusqu'à 40 en me disant, bon, on est là pour ça. Là, ce qu'on va chercher, ouais, du coup, pour faire un petit résumé, pour avoir répétireur, donc on va chercher Jinx plutôt que Kog. Tout à fait. Mais Jinx seul, c'est pas un peu problématique? Non, on aime bien quand même. Non, elle est bien la Jinx, c'est nickel. Même si elle a pas de stuff ou quoi, ok. Et après, autour, peut-être aller chercher je réfléchis. On a quand même Ferrailleur, on se sert pas du Ferrailleur, que ça soit sur Janna ou Trundle. Donc il y a peut-être... C'est pas très grave. En vrai, encore une fois, alors Ferrailleur, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'effectivement, s'il y a un item qui traîne sur Trundle ou bien Janna, ça le transforme. Ça, tu sais. Et deuxième chose, c'est que ça te donne un shield basé sur le nombre de composants que tu as dans ton équipe. Donc là, par exemple, tu vois, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, et t'as 2 ferrailleurs, donc ça donne 120 de shield pour toute ton équipe. Ouais, c'est fort. Donc c'est pas mal, ouais. Là, qu'est-ce que je vais me chercher, moi? On veut les Temurgot. On veut Gamble avec Temurgot, BF ou Gant, je pense. Sinon, on fera Warmog, je pense. Mais la BF est excellente, hein, si tu veux. Bon, Warmog, sinon, Ouais. On préfère Warmog à genre une rédemption pour nos tanks? Les deux sont bien. Rédemption, c'est mieux s'il y a de la paix. Mais... Ah ok, je pensais comme on était brawler et tout. Et là, tu vas continuer à slow roll. Et on... Pour qu'on trouve Mundo, c'est très bien. Mundo à la place de... Illaoi. Ouais, elle est toujours là, elle, on se rendait même plus compte. Et t'as encore des PR, on cherche Jinx, tu cherches Urgot, donc on slow roll doucement. Voilà, c'est bien, tu vois, ça monte doucement. Et là, je vais chercher une Warmog sur qui? Sur Mundo? Moi, je mettrais Mundo, parce qu'il est technochimiste. Exceptionnellement, on fait pas Morello Lissandra, parce que t'as Sunfire, plus Exile, plus Brawler, plus Makeshift. Bon, la Warmog, on la rentabilise pas avec Makeshift, mais comme on va vendre Trundle pour Tam Kench. T'avais Jin. Merde, fais un effort. Tu vas prendre la Sunfire et mettre Warmog. On n'est pas tout seul là, un peu d'effort, les gars. Que tu as Armure Improvisée. Ouais. Et Armure Improvisée dit que toutes les unités sans objet profitent de résistance. Donc faut mieux avoir 2-3 persos très très forts avec 3 items et à côté juste les laisser un peu en chien, mais profiter du passif. Ok. Et vu que Mundo et Urgot c'était piliers. C'est bien de rentabiliser ça. Donc en vrai, si on avait fait gaffe à ça, on aurait mis Warmog Trundle pour que Mundo profite plus de leur armure. D'accord.
Et là, on a le dernier augment, on va voir ce que le jeu nous donne. Là, t'es vraiment bien. Waouh, t'as deux choix de fou. Hein. Alors, le troisième, c'est l'un des meilleurs de la méta. Mais dans ton cas, le deuxième est pas si mal. Bah, moi, ouais. Je prendrais 3 sans hésiter. Tu prends pas la tête et on va rentrer des Yumi et tout, des Tamken. Ouais, on va aller cumuler. Allez, on va accumuler. On veut un peu de tout là. On continue à slow. Ouais, toujours. Oublie pas, tu veux Mundo 2, Urgot 2, tu vois. Et là, en fait, ta Masper est en train de gagner. Je te propose de descendre à 30. Ok. T'as 4 paires de fous là. Oh, Kaïsa ? Non. Mais on aime bien. Ouais, elle jouera pas, je pense. Continue encore. Faudrait que l'un des deux passe niveau 2. Voilà, super. Let's go. Donc là, juste pour t'expliquer la situation, quand tu veux savoir quand roll ou pas roll, tu vois, quand tu sais pas quand est-ce que tu dois stab et tout, regarde déjà le nombre de paires que tu as sur le banc. Ouais. Et le nombre de la série de victoires ou de défaites que t'as. Parce que tu vois, quand tu es en série de victoires, le jeu t'offre donc 5 golds si t'as 50 golds, plus 1 par victoire, plus 3 si t'as un chain win. Et donc là, en fait, en rollant un petit peu, on se renforce pour conserver la chain win et le bonus de 3. Ouais. En revanche, si on n'avait pas la chain win, donc t'étais, je sais pas, à ouais, on reste à 50 en slow roll, économie. Ouais, on s'en bat les couilles. Voilà, les plus 3 nous compensent et ça nous permet d'assurer de les garder, quoi. Ok. Ah, les golds que t'as dépensés pour avoir Mundo, machin, ils sont rentabilisés en 2 secondes. Et sachant que c'est avant un PVE en plus, tu vas gagner 2 fois plus 3. Et là, tu vois, je pense que c'est Mundo 2, Janna de Diff, hein, sur ce run. Regarde comment c'est serré. Ouais, c'est clair. C'est des petites. Mundo, il allait me chercher un 4030 de dégâts, hein, qui fait bien plaisir, il a bien régen. Il est là, le Mundo. Bon, faut Urgot 2 et Tamkench 2 et Jinx. Et là, on peut rêver peut-être au 100 PV, mais. Je pense qu'Aïssa. C'est quoi le mutant déjà? On avait dit armure, résistance magique et tout. Non, reste tombé. Parce qu'il y a des rares cas où tu joues Kog'Maw, Kai'Sa, All of Nine, mais là. Et t'as pas envie de. T'as pas envie de protéger justement, par exemple, les Kai'Sa, comme on sait que c'est très joué. De là, enfin bon, là, on va avoir le 50, donc c'est plus intéressant l'économie, mais tu sais, de les prendre pour que les autres les aient pas. Non, ça c'est. Pense jamais comme ça, parce que ça, sur le long terme, c'est pas une bonne strat. Ça l'est. Ouais, quand tu vois ça vraiment le mec qui cherche un truc 2, quoi. Il est face à toi. Genre là, par exemple, tu vois le deuxième dans le lobby, la Fai Kill You, il a beaucoup de PV. Donc c'est probablement lui ton ennemi en late game. Oh, là, tu vas faire top 1 ou top 2. Et donc là, tu dois viser, savoir ce que lui il veut et tu le deny. En gros, si tu veux le penser comme ça. Ok, la liste 3, quoi. Là, il faut voir si tu veux jouer Urgot 2. Est-ce que tu veux aller au 9 aussi? T'as beaucoup de gold. Tu peux aussi t'en pauvre aller au 9. Ouais, on va un peu au 9. Est-ce qu'on aurait pas un item. IE pour Urgo? Ouais, ouais, je pense que c'est le. Oui, oui, IE Zap sur le Mundo. Et... Ah, l'étincelle ionique, ouais? Ouais, sur vous, c'est bien, c'est bien. En fait, c'est un item qui. Alors, en gros, ça réduit la résistance magique des unités autour de Mundo. Sachant que tu vas rentrer des petits Jinx, la Lissandra, Zac Mundo, ça fait des dégâts AP, c'est toujours ça de prix. Et puis, ça fait des dégâts à chaque fois qu'un ennemi caste. Ok, et ouais, sachant que les ennemis. Et c'est des dégâts en fonction de leur mana. Et sachant que sur ce set, les champions ont quand même beaucoup de mana, ça fait toujours des bons dégâts, et puis tu sais pas quoi en faire, donc go. Ouais, ça te permet de pas te poser de questions, quoi. Mais là, c'est vrai que. Ouais, dis-moi. Un peu chill. Non, non, mais j'allais te dire, est-ce que tu. Là, tu peux soit. Si tu veux défendre, par exemple, 100 PV, il faudrait que t'all-in maintenant, mais c'est vraiment du gamble. Je crois pas que t'as assez de gold en plus. Mais là, t'as pas de gold pour roll, hein. Elle est bien Urgo, comme ça. Bah, limite, il fallait rentrer Jace, quoi, mais. Un roll une fois pour peut-être Jinx. À la place de. Van Kog'Maw. Pour Jinx. T'as vu la rapidité? Incroyable. On est à deux doigts de. Ah merde, putain, ça l'a pas posé. Il a fait une doming. Ça l'a pas posé. Eh, j'ai un Tamkench, il rentre bien. Et parfait, tu lock. Il va bouffer Trundle. Perle scrap. Il absolument lock. Ah, mais j'ai un Urgo 2 aussi. Je pense qu'il faut qu'on tente le 100 PV. Mais attends, mais comment il a Twitch carry lui? En fait, il a pas trouvé d'Urgot, je crois, ce gars-là. Il joue Urgot depuis tout à l'heure, mais il a pas trouvé. Oh ouais, là, on le. Eh non, je perds pas scrap puisque j'ai Jinx, putain, la folie. Ok. Là, tu fais Trundle mangé par Tamkench? Pourquoi? Trundle mangé par Tamkench. Mais on a pas envie de le garder, juste. Non, et on mange. Non, et puis là, il faudrait. En fait, t'as deux Urgot, quoi, il faut te dire ça. Mais sur Mundo pour rentabiliser armure improvisée. Fais attention au exile de Janna Lissandra. Ouais, parfait.
Et là, en fait, il faut juste que tu trouves... c'est Victor en vainqueur. Le mieux, ce serait qu'on ait Yumi à la place de Lissandra. Ouais. Et Jace à la place de Urgot. Mais bon, t'as vendu Jace. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais c'est pas grave. Ou Tariq, je sais plus où est la case. Mais... Oh, toi, c'est devant. Enfin, c'est quoi, t'as Urgot, c'est devant. C'est devant, c'est devant. Ouais, c'est... en vrai, tu peux mettre Mundo dessus ou Tamkench. Attention, peut-être le sort PV, hein. Putain. C'est... Là, on peut le défendre. Hein. Série de 18, on vient le défendre, on vient le défendre. Oh là là. Incroyable. Donc là, on arrive au carousel. Et il faudrait trouver un item Jinx, Tamkench. Il y a une Jinx B. Ouais, c'est pas mal ça. Jinx BT, ça régale, hein, mais forcément, on va se la faire bouffer, quoi. Le GS est excellent en late game aussi sur Sion. Il y a des items comme ça qui sont genre Shroud excellent. Genslayer. Shroud excellent, GS est excellent, Zephyr excellent. Les. Voilà, moi je prendrais GS ou GS. Putain, il est gros mon perso. C'est, non, un c'est un délire, putain, pourquoi j'ai pris lui? Je l'aimais bien, je le trouvais cool, mais putain, c'est un cauchemar. C'est quand tu gagnes, en vrai, il est gros. Tac. Et là, on fait que on le met sur. Ouais. Jinx, oh, j'aurais dû le manger. Sur Jinx, finalement, pas Mundo, je suis con. Et roll un peu pour trouver Victor ou Yumi ou Jace. Oh, Yumi. Ouais, super. Yumi, ça passe de Lissandra, normalement. Et là, il faut que tu trouves un Jace. Et là, je fais bouffer Lissandra. Ouais, ouais, tu peux. Quoi ? Non, attends ! Oh ! Il y a toujours deux regrets. Oh, Jace. Jace. Ah là là, mais je vais pas attirer. C'est fou ça. Oh, j'espère qu'on perd pas les 100 bébés sur ça. Oh non, dis pas ça. Oh, en les pères. Non, les pères, on les perd. C'est fini. Ah, je crois que oui. Allez, Urgot. Ah, c'est perdu. Voilà, il fallait protéger ton Urgot. Ok. Oh, c'est terrible. Oh, c'est perdu là-dessus. Ah là, le Jace aurait bien mis en vrai. Ah, le Jace serait régalé. Ce Mundo, ton Mundo, il a pas se laissé faire quand même. Ah, Mundo, il tabasse. Mais allez, Mundo. Allez, Mundo. Allez, vas-y, Mundo. Bah, il donne tout ce qu'il a. Tam aussi, Tam, il va manger. Il va manger Jinx. Vas-y. Vas-y, frérot, c'est l'heure. Oh non. L'autre Urgot. Oh là là, c'est magnifique. Le deuxième Urgot qui nous paye. En plus, on a ça. C'est magnifique. T'as eu deux items. C'est sublime. J'ai un petit arc. Je le fous sur Jinx. T'as un autre truc. Regarde, au-dessus du arc. Oh là, le statique Jinx. Ah, moi je pense que tu fais plus Arc Jinx et tu sais, il va se scraper avec Janna. T'es légendaire. Achète. Roll Urgot 2, il faut que tu roll Urgot 2. Ah, ça donne envie quand même. Ah, achète tout, tant pis, t'as pas le jeu. Bah, je peux pas. Tu prennes Yumi et. Et il faut que je. Bah, tu vas. En fait, Tamkench va peut-être te donner. Ouais, voilà. Peut-être qu'il va te donner 2 gold, Tamkench. Sinon, tu peux. Bon, après, il est pas si important. Mais... Bon, après, sans ton carry principal, de faire top 1 sans PV, c'est quand même costaud, mais on y est presque. Ouais, ça devient chaud, là. Là, on sent que c'est chaud, hein. Vaille, elle est en train de lâcher, hein. Oh là là. Allez, Tamkench, donne-nous des gold, comme ça on lock pas. Ah oui, là-bas. Je suis trop lent. Ok, c'est bon. Unlock. Trop fort. Et t'es bien, en vrai, là. Et là, ça régale, là. Moi, j'y crois. Hein. En vrai, ce serait magnifique. Hein. Les composants, comment ils... Oh là là, Urgot derrière, c'est trop. Et en plus, on a tout ce qu'il nous faut. Mais là, c'est vraiment... Mais c'est indécent, monsieur. Alors, toujours, regarde qui porte quoi en premier. Donc, Morello, ça va être Yumi. On est d'accord. On savait pas, mais d'accord. On apprend. Morello, Yumi, elle le porte très très bien. Ok. Static, tu peux le mettre sur Jinx, ça va lui donner l'attaque speed, on le veut. Et Shojin, en vrai, ça peut être Janna. Ouais, Janna pour aller... Là, maintenant, le makeshift, tu t'en fous. Enfin, le armure improvisé... Enfin, t'as trop d'items, donc... Mais juste, comment je protège Urgot, là? Oh, Yumi 2! Comment je protège Urgot mieux, là? Je sais pas trop. Vu que ça dépend de comment on positionne les autres. C'est quoi le dernier? Montre vite fait. C'est Biscrank 3, non? De quoi? Envoie-lui une vaille. Fais gaffe à ça. Sinon, mets le front. Hein. En vrai, mets-le à la place du Zac. Juste change... Non. Change vaille. Ouais, voilà. Ah, mais là, il va le savoir. Tu l'as fait trop tôt. Mais en vrai, là, t'es pas mal, je pense. Mais il le sait pas. Il va pas s'y attendre. Il s'y attend pas. Il s'y attend pas. On était trop rapide. Mais il ne. J'ai pas fait manger Tam. Oh, double statique, là. Oh c'est là là. Le 100 PV. Hein. Oh, le 100 PV. Là, et oublie pas que t'as Stand United. Hein. Donc, à chaque synergie que t'as à gauche, tu gagnes de l'AD et de la PV. Oh là, hein. C'est trop. C'est un stop. Il l'a fait! Aïe aïe aïe! Oh merci Jody! T'es le boss! T'es incroyable! Oh, regarde comment il est heureux! Hey. Il est content! Perso. Oh le Big Shonk! Oh putain! Nom.
Ah ouais, impressionnant. Bon, alors, t'as trouvé comment cette game Incroyable en vrai. Eh, je suis plat de 3 en plus. Pfff, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Ce n'est pas possible, excusez-moi. Et mais attends, mais dans une semaine, non, mais... c'est le diamant, c'est le master. Ah, je pars en vacances, heureusement. Ah bon? Ce sera peut-être le plat de 2 si jamais je joue un peu sur tel. Profite, jouez les amis, ceux qui nous écoutent, jouez parce que PA n'est pas là. Oh là, et c'est quand la fin de la saison, juste que je sache que c'est mi-février, non. Putain, mais ça donne trop envie de tryhard. Non, mais c'est trop bien là parce que tu m'as fait comprendre des trucs. Après, ensuite, t'as le fait de le reproduire, parfois les placements, etc. Le choix des items, honnêtement, là, il y a des trucs où bon, j'aurais pas tout fait. Je commence à comprendre. Qu'est-ce que t'aurais pas fait ? De quoi ? En vrai. Toutes les décisions, tu les as slam. Hein. Enfin, Sunfire, mais moi j'étais pas trop chaud et tu l'as fait. GS, j'étais pas trop chaud, tu l'as fait. C'est toi qui as pris les décisions. Ouais, non, mais sur les doutes, sur le fait, tu vois, j'aurais sûrement eu tendance à perdre des HP au début, un peu bêtement, parce que tu sais, genre, j'ai tendance à trop avoir des items sur le board, je slam pas assez. Donc faut plus que j'y croie un peu. Mais c'est vrai que comme j'ai juste fait que pègre un moment, j'avais qu'une compo, là maintenant, tu sais, j'apprends à jouer genre avec Jace, savoir un peu ce qu'il faut faire avec les autres et tout. Donc. Donc, non, j'avoue trop cool. Je suis content que ça t'ait plu, en tout cas. Ah, mec, là, la petite game sans PV, c'est rare, en vrai. Donc là, on est tombé sur une belle game, hein, franchement. Honnêtement, non, ça régale. Merci beaucoup, Shondi. Et je pense aussi pour les gens, tu vois, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien TFT. Et bah, avec même les Gotha, les MV qui s'y sont mis et tout, il y a pas mal de gens, d'autres communautés qui s'y sont intéressés. Et c'est pas simple quand tu connais pas de l'extérieur. Donc juste, je pense que ça a aidé aussi pas mal de gens. Ça a aidé pas mal de gens, justement, à bien capter, quoi. Donc Moi j'ai juste devoir laisser malheureusement parce qu'à 15h30 j'avais un truc ah merde pile poil, mais on est bon parce que je vois les gens qui écrivent go double up, mais si tu veux on peut se refaire, enfin si tu as envie encore de rejouer une autre fois, je pense que là on peut se dire qu'on a fait deux bonnes games et on se refait ça demain quand tu rentres des vacances. tu fais quoi demain, toi? Bah non, mais écoute, demain... Bah demain, je suis bouillant, mon frère. Ouais, si allez, ça part demain. Let's go. Allez, demain 14h. Allez, demain 14h, on est parti. Trop bien. Vas-y, allez. Bah le feu. On prend le rendez-vous et je te promets, on fait une 2v2 ensemble après. Vas-y, let's go, on fait ça. Trop bien. Bon, merci beaucoup, mon ref. Je te fais des bisous. Vas-y, à demain, gros bisous, ciao. À demain, du coup. Yes, let's go. Let's go. Il est fou. Oh putain, c'était trop bien. Ah, je le kiffe trop, Shonzi. Oh, je le kiffe trop. En vrai, on va peut-être se faire une game ou deux. Nous, à 17h, je sais pas s'il y a Xari, on va peut-être faire un double up. Après, le souci, c'est Xari, maintenant, je pense qu'il suit pas la cadence. C'est ça, le problème. Xari est encore gold 2 ou 3. Xari est encore sur des réflexions. Bon, voilà. Après, je peux l'aider. Je peux peut-être en profiter pour... pour lui transmettre un peu mon savoir. Mais ça sera... Faut voir. C'était trop lourd. Non, mais c'est bien. Je pense que vous êtes pas mal, dans mon cas aussi, à être du père sur TFT. Et c'est quand même pas simple. Mais on a bien vu que tu kiffais, je peux te sucer. Non, mais le retour de la stream team. Shonzi, bah, il y en a pas mal qui suivaient déjà à l'époque et tout, mais on se connaît depuis un bail. Donc, comme on a des jeux différents, c'est parfois pas simple de se capter. Et je l'avais invité que ce soit à l'échappée ou autre, tu vois, mais c'est toujours cool de pouvoir passer des moments ensemble. On a passé deux ou trois ans à faire la stream team tous les mardis, à passer des très bons moments. Donc, c'est trop cool. Et surtout que c'est vraiment le boss. C'est ça qui est impressionnant, c'est que Shonzi, il est genre challenger dans le top 50 du classement depuis le début de TFT, quoi. Donc prise d'otage de Shones. Mais demain, Starmet, c'est trop bien, je vais progresser. Parce que là, je vais faire une game et je sais que on va être naze par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Donc l'histoire de l'ulti Janna qui heal toute l'équipe a surpris plus d'un dans le chat. Non, mais attends, c'est... Quand tu connais rien, tu prends quand même des trucs intéressants, quoi. Rachi, merci pour les 12 mois. Tomik aussi avec 3 mois. Merci beaucoup, la mif. Bah écoutez, je peux être chaud qu'on se fasse... Attends, je vais pinguer le Xav. Si jamais, parce qu'à 17h du coup, avec DFG et Xari, on va faire Ready or Not. On va faire la mission en Insane, c'est la mission qui nous manque, donc difficulté max. Je vais lui demander s'il veut double up. Et entre temps, on peut se faire 2-3 games, tranquillement. Tranquillou. On va voir si on arrive. Alors bon, ça va toujours être ce moment où... Il y a plein de trucs que je fais pas forcément naturellement, quoi. Le but, c'est que je progresse. Donc, c'est pas comme les autres. Comment ça s'appelle ? Comme les autres streamers. Les autres streamers, justement, TFT, qui sont hyper calés. Mais on a appris des trucs. Ne jamais monter 3 étoiles, toi. C'est quoi le jeu de 21h ? À 21h, les frères, il y a Kamel qui fait une édition de Five Heads. Il l'avait déjà fait une fois sur LoL. Et en fait, c'est concrètement. Je crois qu'il y a Xari, Étoile, Sard, d'autres gens. Où concrètement, en fait, on s'affronte. C'est un peu un quiz de culture G. Donc ce sera sur le stream de Kamel, sur le mien aussi, et ça va être assez cool. Ça va être Talik là, non il en a parlé hier, à côté il m'a dit que je pouvais en parler, en même temps c'est plus une information leak quand t'es 5 heures avant, tu vois. donc, euh,
Donc voilà, donc ça va être assez Talik la line-up. Non, mais c'est annoncé de toute façon. Il y aura plein de gens. Voilà, voilà. Il y aura différents types de personnes. Il en a parlé à 4h30 quand même. Deux fois... De quoi c'est quoi ? Deux fois, il l'avait fait récemment sur le thème de l'école. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Il a dit hier que Bibi était l'intrus dedans. Et du coup, il y a qui dedans ? Parce que moi, je savais pas trop. Parce que je t'avoue que ça va être la merde. Comment s'appelle ? Contre Étoile, Exari, la culture G. Bon, on va se battre, mais... Qu'est-ce que je prends ? Je prends un arc. J'aime bien les arcs, moi. Il y aura des forcenés. Ça, c'est à 17, ça. Fera peut-être... On est là pour t'aider. Oh, c'est bien. Oh, c'est la commune Chonzi, je pense. Oh, c'est parfait. Faut mettre en place un truc. Chonzi qui vient de me raid. Merci beaucoup, mon ref. C'était vraiment trop cool, ce que je disais juste avant. Et j'en profite pour démarrer une petite game Scrap Ziggs que, bien sûr, on va vendre, puisque à armure, on est où, quoi. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours chercher à avoir aucun item sur Ziggs. je vous le dis. Merci beaucoup, les frérots. Putain, merde, on propose un truc. Je fais le truc de Kamel à 21h. Alors, donc là, on veut des paires. J'ai oublié, putain. Tout va bien, j'ai oublié les paires. Ça, on aime bien. Ça, c'est avec Brawler. Putain, j'ai tout oublié. Bon, on joue ça pour l'instant. Camille, elle faisait quoi ? Camille, c'est Ezreal. Là, il n'y avait pas trop de paires. En vrai, il n'y avait pas trop de paires. Là, c'était un peu chaud, il n'y avait pas trop de paires. J'étais là pour t'aider, bon courage avec eux. Non, mais va falloir qu'on soit organisé, parce que là, vous allez tous me dire des infos de merde. Et donc, va falloir... En vrai, là, on est pas mal. Il n'y avait pas beaucoup mieux à faire, je pense. Les notes PA. Chaque fois que votre équipe compte moins du... Ça, ça a l'air nul. Nombre du... Oh. Putain, je vais faire n'importe quoi, c'est déjà fini. Chaque fois que votre équipe compte moins d'unités vivantes que celle de vos adversaires, vos unités récupèrent 10%. Ça, on n'aime pas trop, ça. On aime bien le sac de butin. Sac de butin, on aime bien, en vrai. Les gardes du corps, j'en ai pas encore un, donc c'est difficile. Tout à l'heure, on avait Léona dans cette situation. Ok, parfait, là, j'ai... Bah, direct, on est sur la situation de juste avant. Oh, j'ai un ZZ Roth. Ça nous écœure. Ça nous écœure, c'est dégueulasse. J'ai ça. J'ai aussi potentiellement... deux mutants, là. Slam ZZV. Trop bien ZZ en early. C'est fou. Est-ce qu'on va pas chercher, tu vois, genre... J'aurais peut-être pu prendre Kassadin Garen. Mais non, en fait. Parce que Kassadin, mutant... Juste, j'aurais dû tester le mutant. C'est quoi, le mutant ? À 18 armure. Oh, j'ai une Léona ! Bon, j'ai un... Oh, il y a trop de trucs. Il y a trop d'informations. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, on va faire ça. Ok. Bon, là, on est un peu du père. On est un peu du père. Je pense qu'on peut se faire ça. Push et foot Léona. Je pense que c'est le plan. Je vends Camille, je push, je mets Léona. Comme ça, on a un forceur, on a une vie qui est strong, et on a deux gardes du corps. Et à côté, j'ai IE. Est-ce qu'on mettrait pas une IE direct sur Caitlyn ? Un peu comme tout à l'heure. Allez, ça nous a profité tout à l'heure, on fait la même chose. On fait la même chose, et je pourrais limite mettre l'armure sur Léona, mais là, on est peut-être américain. T'as beaucoup de front pour peu de dégâts. C'est pas faux. Pas faux ce que tu nous dis là. Je pense qu'armure Léo c'était pas mal. C'est light là. C'est light mais ça peut faire la diff maintenant. Comment ça on tue... Ah il est deux l'autre. Bon on est mort. On a bien fait de level up. J'aurais dû le faire direct. C'est pas si grave. Là ça serait bien qu'il puisse ulti. Oh la non chat. C'est une moyenne loss. C'est une loss un peu flinguée mais une loss où t'es en mode bon. Oh là là j'ai Vaille 2, j'ai Trundle que je rentre. Mais on a des questions là. On a des questions parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus des Léona, là. J'ai limite envie de vendre Léona, rentrer Trundle et rentrer Kog'Maw aussi. Je fais ça. Allez, bam bam, tac, tac. Et je mets sur Vaille. Est-ce que je mets sur Vaille ? On met l'armure sur Vaille ? Je sais pas si je mets l'armure. Ça, on garde peut-être, non ? Peut-être mettre pour Scrap Trundle ou... Protège ta Kate. C'est vrai qu'il y a peut-être... On est en coaching gagnant. Là, sur Trundle pour Scrap. En même temps, on n'a pas encore le Scrap, quoi. Là, pour l'instant, ça se passe. Mais il y a force...
pensez pas que ça va bien se passer tout le long. Il va forcément y avoir un moment où je vais faire un move de merde. Je préfère vous mettre déjà très à l'aise avec ça. Comme ça. Là, concrètement, mais en fait, on joue la même game que juste avant. Je ne sais pas jouer, je ne fais que recopier, en fait. Je vois un truc, je fais la même chose. T'as scout mutant, la game ? Non, mais j'ai laissé les cassadins et tout, j'ai un peu l'impression que c'est une erreur d'y aller maintenant. Bon, là, il y a du tchal, il y a du... Putain, c'est fou, quand même, d'avoir 15% et deux... On n'aime pas trop Samira. Il y en a déjà un autre qui a une Samira. Lui, il a des petits mannequins. Je pense qu'on chill, là. Je pense qu'on chill. On met un zig, si jamais, pour faire ailleurs, pour faire rentrer. J'ai envie de pré-push. Comme ça, on aura des niveaux 2, après. Je protège Caitlyn. Je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait la protéger, mais... Oh, ils vont se faire démolir. Oh, ça va être un coup dur, ça. Parce que, en vrai, t'as pas envie que ton ZZ-Rot, il soit sur le perso le plus tanky, non ? T'as envie que ton ZZ-Rot, il... Oh, on gagne, quand même, c'est bien. T'as envie que ton ZZ-Rot, il tombe très vite, non ? Ah non, parce qu'en même temps, plus il y a de niveau sur le ZZ-Rot, plus... C'est ça ? Ton ZZ-Rot, il est plus puissant si ton perso a beaucoup d'HP, non ? La paire de Samira, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, non. Si, parce que ça stunt. C'était Samira game. Non, mais il y avait déjà un mec qui jouait Samira. Et là, on en a deux. Mais tu vois, Challenger avec combattant, ça va pas bien ensemble. Je crois. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on veut, là ? On a une armure. Non. Pour reprendre la game d'avant, on peut vouloir une Sunfire. Comme ça, on se fait exactement la même game. Une armure, on n'a pas besoin spécialement de GA. On peut vouloir une deuxième armure et en plus on a 3 golds sur Echo. C'est intéressant ça, un petit Bramble. Petite Bramble, c'est vrai que c'est pas mal. Petite Bramble qui nous régale. Comme ça on va être plus tanky, on va faire des dégâts, ce qu'on peut manquer un peu grâce à la Bramble. Je suis niveau 2 donc c'est bien. Mais est-ce qu'on n'a pas le problème de mettre beaucoup d'items sur Vi alors que Vi c'est pas spécialement un carry qu'on a envie de voir. Mais en même temps on peut avoir envie aussi d'aller foutre juste un Echo comme ça. Pour l'instant. Ah, là on se pose des questions. Là, on se pose quand même la question de garder juste Ferrailleur. Comme on est en série de win, on va faire ça. Et je vais vendre Ziggs. Et comme ça, parce que je crois que Echo, cœur gelé, c'est très fort. Au mieux, une cape solaire, je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est pas si mal, tu vois. Merci Kitalas pour les 5 mois de sub. Totolop aussi avec 25 mois. Je pense que c'est pas si mal. On chope Sunfire, donc on va faire des dégâts. Et il faudrait que... Là, ça serait bien qu'on gagne, tu vois. Ça nous ferait un petit goal de plus. En même temps, c'est trop fort son... Oh, on se dit qu'il nous met ces dégâts-là, là. N'importe quoi. Allez, ulti, ulti, le voilà. Parfait, ça. Allez, on se vend lui. On se vend lui et on est bon. Bon, là, on est pas mal du tout, quand même. On est pas mal du tout. On a plutôt une bonne écho. On a 3 wins. On a un Kog'Maw qui rentre. On va le prendre, mais juste pour l'aider, quoi. Parce que le mec est un peu en... tombe un peu en dépression le frérot donc on le prend mais on n'a pas trop envie de faut que tu gagnes ce round surtout. Est-ce qu'il y a du blitz là? Lui il joue pas blitz, pas blitz, pas blitz, pas blitz, pas blitz, pas blitz. Et en vrai je mets Kate là hein. Y a que lui qui peut jouer blitz et il le joue pas. Kate à droite de Kog. Ah comme ça. Ça c'est ça là, quand on dit protéger là. Mais parfois en fait du coup comme les mecs ont les assassins du même côté. Tu vois, j'aime bien les mettre un de chaque côté, mais... Mais bon, ça dépend, quoi. Et eux, ils font mal, hein. Heureusement, Echo régale. Et encore Sunfire. C'est vrai que ça met bien, quand même... Ça met bien le ZZ-Rot en early. Late game, on sera moins fort. Mais bon, pour l'instant, ça se passe très bien, là. On va avoir nos petits Krugs. Ça va nous permettre de savoir ce qu'on fout de la cote de maille. On est d'accord qu'il va pas falloir itemiser Vi. On a quoi, nous? On a un sac de butin. Bon. Bon, bon, bon. Oh, j'ai Kog'Maw 2, hein. Là, c'est vraiment... On est obligé de le faire. Quoi qu'il arrive, après, on le vend 5 gold, on perd 1 gold dans le move. Mais au moins, ça nous renforce parce qu'on veut protéger cette série de win. Vi va dégager. Bah, je pense pas, hein. Parce qu'on va se faire exactement la même compo que la game d'avant, les gars. Donc, en fait, on rentrera Jinx un moment. Pour avoir Sœur, on va rentrer Jinx un moment. On va inverser pour protéger Kog, maintenant. Mais... Et tu vois, on peut vouloir un Jayce comme la game d'avant. On peut... Vi, ça m'a l'air d'être un truc qui fit avec pas mal d'options.
Donc je sais pas si on a beaucoup de négatron, c'est pas mal, une petite griffe là. C'est quoi? C'est un petit écho. Oh, écho qui commence à nous poser des questions, le écho, hein. Parce que de base on le voulait pas, mais là au final c'est le meilleur truc qu'on peut avoir, hein. Faut passer l'IE sur COG. Oh bah j'ai écho. Oh bah là c'est fou là. Mais je peux pas vendre Kate parce que honnêtement ça nous fait justicier. Enforcer, c'est. Il me faudra, c'est vrai qu'il me faudra une pour. Parce qu'on va chercher, faut qu'on l'ait en tête. Ce qu'on veut, c'est. Ce qu'on veut, c'est comment s'appelle Monsieur Urgot. Donc du coup, on va aller foutre un arc avec ça. Le coaching avec Sean, c'est terminé. Ouais, il nous a coach juste avant. Ouais, c'est Runan, donc ça va être arc. Après, c'est est-ce que le litho plastron, c'est bien. On a un écho 2, donc ça, c'est très propre. Oublie pas, push 6 en 3.2. Putain, j'avais oublié. Négatron, Trundle. Bah, le souci, c'est qu'il y a déjà scrap. Enfin, il y a déjà le. Il y a déjà la cape solaire. Enfin, pas la cape solaire, mais le scrap, il est déjà sur écho, tu vois. Donc, c'est Clo. Ouais, mais Clo. Ah non, Clo, c'est autre chose encore. Ça, c'est Clo pas. Et Clo, c'est. Oh, c'est chiant, les trucs entre français et anglais. Tu dois connaître les items. Déjà, connaître les items. Bah, là, on a rien, mais du coup, on. Push, le truc c'est qu'on push pourquoi quoi. C'est un peu notre problème. Bon, je peux rentrer lui, mais bon, il me fait pas plaisir quoi. En même temps, je dois protéger ma série quoi. Je peux rentrer un troisième combattant, il va être un peu tanky. Y a pas un truc intéressant là, mercenaire. On n'a pas un arcaniste. Klo, c'est double. Pff, autant se foutre un deuxième Trundle, hein, parce qu'il a OI, on la déteste. Hein. Mais on la prend quand même pour pouvoir rentrer un Zac ou un Mundo. Je pense que c'est ça le truc. Ouais, mais Griffe de Dragon, ça veut dire qu'en fait, on n'aura aucun item sur Urgot. Et ça va être quand même notre switch après. Donc, non mais là, on fume tout le monde. Hein. Achète la Queen. Pourquoi on achèterait Queen? Pour Challenger? Challenger, on va chercher qui? On achète, mais on s'en fout un peu. On achète Miles aussi. Allez, on achète tout le monde. Là. Allez, on achète... Allez, c'est bon. Là. On est à 20 gold. Mais du coup, c'est est-ce que je fais pas gargouille, quoi? Mais Gargouille, on sait pas trop quoi en penser de Gargouille. Hein. Gargouille, on est là, on est bien avec Gargouille, mais en même temps... Quoi? Alors, oh là. Oh, vos unités récupèrent des PV équivalents à 25% des dégâts. En cybernétique, ça a l'air fort, mais du coup, il faut qu'on ait beaucoup d'itemisation sur beaucoup de gens, quoi. 25% des dégâts qu'elles infligent. Ah, mais en même temps, on a un shield de ouf. La 2, c'est pas mal avec les combattants et tout. 3, ça a l'air nul. Cybernétique, j'ai peur qu'on ait pas assez de... En même temps, ça renforce nos carries. Ça va renforcer nos carries de fou, quoi. Mais ça, ça nous force à jouer un peu plus scrap que la compo qu'on jouait. Je vais jouer 2. Comme ça, on se prend pas trop la tête. Je vais rentrer Tarik pour tester. Je vais mettre ça pour l'instant, je pense, en tempo. Je vais vendre mes merdes, là, que j'ai acheté juste pour acheter. J'ai une Kate 2, potentiellement... Je pense que je mets Tarik en heal, lui il est 2, et Echo pour faire plus de dégâts. Vends la Kate, achète l'autre. Non. Slam la Bramble, non, on n'a pas envie de ça, non. Allez, un gros truc là. Mais combien de temps on est... Oh là là, on se fait fumer là. Ça se passe mal là. Oh là là. Allez, Echo. Oh, il nous fait chier son... Oh, c'est perdu. Oh non, good loss. Oh, c'est perdu, putain, fait chier. Merde. Oh, c'est pas fini encore. Ils font quoi? Ils attendaient? Bon, là, ça nous emmerde. Lui, c'était qui? Oh, lui, il est 7 en même temps. Eh ouais, parce qu'il faut penser aux 7 aussi. Ça nous met pas bien, là. Là, c'est coup dur, les gars. Là, c'est coup dur, on veut quoi? On veut toujours un arc, nous. Il y a plus d'arc. Il y a jamais d'arc. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le premier truc acheté, quoi. On veut peut-être ça, là. On peut vous... Ok, on pouvait vouloir... On veut plus rien. On veut peut-être un Zephyr, non? On peut vouloir un Zephyr. Ça fait un calice avec la tire. On peut vouloir un Zephyr et c'est 4 gold. Putain, on veut plus rien. On n'a pas de Morello, on n'a pas de... Oh bah, vas-y, on va prendre... On va faire un cœur gelé. Hein. On va faire un cœur gelé et je vais lui remettre... Je vais lui remettre un truc hein, derrière. Ah, quoique... Que je lui mets l'armure parce que l'armure après il y a plus rien qui est intéressant pour lui quoi. Oh, putain, il est pas bien là.
Là, on est un peu dans le dur. Je prends ça en attendant. Ah non, et je mets Négatron sur Trundle. Bien joué, comme ça, lui, il a déjà ce qu'il lui faut. Très bien vu ça. Très bien vu. On commence à être un peu dans le dur, là. On pourrait avoir un swap scrap. Là, il m'aurait dit non, la chose. Quoi qu'il arrive, là, c'est pas grave. On peut perdre. Il va falloir bientôt level up, aussi. Il va falloir bientôt level up, je pense. Voilà, il va régaler. Il va mettre sur tout le monde, là. Oh, c'est un peu mou. C'est un peu mou, comme... Pas très, très fan. Bon, allez, fume talon, toi. Allez, hop, là, c'est réglé, ça. On repart gagner, là. T'es en classé ou en normal? On est en ranked, non, quand même. 4 points, c'est 4.1 dans le niveau 7 ou 4.2. Après, je suis plate 3, quoi, donc... 4.1, level up, et tu es bien, faut aller gentiment vers... Ouais, là, c'est Urgot Mundo, c'est ça? Demande-toi qui est faible. Bah, honnêtement, mon Kog'Maw, il commence un peu à puer du cul. Kog'Maw, il sert un peu à rien. Ma Caitlyn, elle commence un peu à bégayer aussi. Donc, là, au moins, on n'est pas en panique. On a une bonne écho. J'ai une Lissandra qui me sert pas à grand-chose. J'ai toujours un Taric qui nous permet, honnêtement, de bien tenir. C'est Trundle qui tabasse, hein. Putain, Trundle, va, il sert à rien. Là, en vrai, on veut pouvoir level up 7 puis 8, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on touche à rien. On est bien en termes d'HP, donc c'est pas grave si on perd un peu. On veut juste accumuler des golds, level up, et nous permettre ensuite d'aller chercher du Urgot Mundo. Je pense que c'est ça, notre plan. Vie, Shred l'Armor. Oui, c'est vrai. Chaco, non, je nous donne envie, mais on l'achète pour le revendre. On peut pas faire plus. La question, c'est aussi, ils font quoi les autres? Parce que lui, il a l'air d'avoir ma compo, là. Il fait quoi? Non, il fait des technochimistes, lui. Oh oui, joli. Oh non, Echo qui a ulti dans rien. Ça dégoûte. Oh, ça dégoûte, il slow quand même, il slow bien. On a perdu, là. Je vois pas comment, quoique. Oh non, elle va ulti Camille. Il régène bien, le con. Comment il régène? Aïe, ah bah oui, j'ai passif. Ne te ferme pas, ça peut être aussi Jean pour le moment. C'est vrai qu'on pourrait sweep. Oula, on pourrait swap en... Je me prends Taric, parce que Taric 2, je pense que c'est jamais mauvais. Mais je vais pas chercher Kog 3. Je cherche pas Kog 3 là-dessus. Jean se joue avec Braum, Leona en front. On est loin de Jean, non, du coup. Veste sur Echo pour... Scrap, Unispark. Non, on veut pas la veste, parce que on veut toujours Urgot, quand même. Hein. Oh, j'ai un, c'est très bien, ça. Oh, j'ai Taric 3. Oh, c'est... Est-ce qu'on a besoin de Taric? Oh, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, on ne comprend plus rien, on ne sait plus ce qui se passe. Putain, du coup, il fallait que je sorte lui. Oh là là, il se passe trop de trucs, là. Je ne sais pas gérer ces informations, là, pour l'instant. Faudrait que je go 7 pour... ouais. Et je mets qui, là? Là, j'aurais dû mettre ça. J'aurais dû Tej Kog et mettre Illaoi, je pense. C'était ça, le mouvement. Comme ça, j'ai 4 combattants, donc devant, on est très fort. Parce que là, nos deux snipers, ils servent plus à rien. Je pense que c'était ça, le move. Mais tu vois, le temps que je réfléchisse, c'était déjà perdu. Oh oui, propre, ça, la régène. Bon, on gagne quand même ce tour. Je sais pas qui vend... J'ai vendu Lys. Janna, c'est bien, non? Il y a Ferrailleur. En même temps, je vais pas jouer Ferrailleur si... Je sais pas si t'es si bien que ça. Je sais pas si j'achète... Braum, c'est pas mal, hein. Et là, oh, il vient juste pour rien, quoi. Jamais Vaille 3, ça, c'est vrai, ça. Ta Kate fait peur. Kate sert à rien. Là, c'est vraiment, faut tèche Kate, hein. Mais je mets qui si je tèche Kate? Lui? Mais là, on a plus aucun dégât, en fait. En fait, c'est ça mon problème, c'est que... Je pense que Caitlyn, en fait, elle fait mal avec son ulti. Ou alors, je tège... parce que Kog... je peux mettre le stuff de Kog sur... enfin, de Kate sur Kog. C'est peut-être ça, le bon bail. C'était peut-être ça. Et Trundle, je pourrais lui mettre un petit Bramble. Bon, après, on va gagner, là, je pense. Non, on perd. Oh, la chatte de... Oh, quoique. Vas-y, Kate. Vas-y, ma Kate. Allez, encore une. Faut pas qu'il tape. Oh, Caitlyn, mesdames et messieurs. Dire qu'on lui a mal parlé. On lui a juste mal parlé. On l'a pas respecté, cette personne.
Elle était là, elle a tout donné pour nous, et nous, non, on lui a... On peut mettre un Kate supérieur à Trundle. Kate, elle nous sauve dans ce fight. Hein. Brome sur Illaoi, non? Comment ça? Non, ça, c'est une erreur, ça. Là, il y a un peu la question de est-ce que... Bon, je roll légèrement. Je sais pas pourquoi je cherche des Bromes. Ah, peut-être Hugo 8 là. Je vais mettre Trundle. Oh merde. Oh putain. Merde, qu'est-ce que je fais? On va stuffer Trundle. Trundle, ça a l'air bien. Brome, je pense, il me sert à rien, ouais. En fait, je sais pas pourquoi, c'est quand j'ai vu Jean tout à l'heure, mais je suis pas encore en capacité de pouvoir swap sur 3 persos différents, tu vois. Genre, j'ai pas ça encore, moi. Yono. Pas mal ça, pas mal ça. Ça, ça met bien ça. Le cœur gelé là qui bloque totalement en MF là. C'est magnifique. Mon Trundle il tabasse aussi. Hein. J'ai une petite duo Trundle. Enfin trio Trundle. La petite Kate. Ouais ouais. Bon là il faut qu'on ait Urgot. Urgot est bien. Urgot est là. Urgot est là. Je peux aimer Jace aussi. Sinon je cherche quoi? Sinon j'ai plus d'items à ramener. Hein. Quoi qu'il arrive, sinon c'est un arc. Ah mais tout le monde prend Urgot. Urgot mana c'est non. Je veux quoi, là? Je sais pas ce que je veux, moi. Là, en vrai, c'est un peu notre problème. Hein. Une ceinture. Oh, le grand crit, bon. Ceinture, comme ça, on a 3 gold. De toute façon, on n'avait pas le choix. Bon, là, je move Kog. Il faut qu'on réagisse, là. Là, il faut qu'on réagisse fast. Là, je vais roll. Je roll. Je roll. Non, je up. Il faut qu'on réagisse là-dessus, là. Il nous faut Urgot. Putain. Urgot. Let's go. Incroyable. Incroyable. Je vais mettre Illaoi là. Je push 8. Les Janna, elles vont me servir à quelque chose ou pas? Est-ce que les Janna, elles vont me servir à un truc en fait? Janna, c'est si t'as Lissandra quoi. Go 8 et code. Ah, j'ai pas bien protégé mon Urgot là. C'est Janna plus Lys, là. Là, on commence à être peut-être un peu en... Janna, elle scrap, elle est enchanteur, donc ça nous met bien. Mais je pense qu'il faut... Est-ce qu'il faut pas Tej Taric, là? On va avoir bientôt un problème de... Est-ce que... Ouais, il tabasse, lui, hein. Il est au fuel, là, le con. Hein. Allez, recharge, recharge, ma gueule. Ah, il a aussi un... attends, il a un Urgot, mais moins bien que le mien. Je pense que, ouais, après les Raptors, il nous faut un niveau 8. Et ensuite, on va pouvoir se poser de questions. On ne se précipite pas, pour l'instant. Champion équipé d'un objet gagne 200. Ah, c'est le cinétique... Je vais avoir 3 vedettes, c'est pas mal. Après 15 secondes, nos unités infligent 60%. Ah non, on va avoir des fights longs avec Bramble. Je sais plus qui m'avait dit que c'était fort. Là, le truc, c'est que... on se pose des questions, hein, de savoir exactement qui... Ah bah, il y a qui ce soir? Ah bah, il y a Shonzi ce soir! Il y a Sard, Étoile, Xari, Shones, Nathéos... Oh, Nathéos, Bibi, Kotei et moi. Dans le 5 heads. D'accord. Push pour la streak. Putain, j'ai paniqué. Faut que je protège un peu plus. Et là, on fout Kog. Et Kog, du coup, l'avantage, c'est qu'il rentre répétireur. Attends, faut qu'on check un peu aussi ce qu'il y a à côté, là. Impérial, lui, il a 8 technochimistes. 8 technochimistes, ça ne marche jamais. Ah, 9, ça peut être bien, peut-être, quand même. Oh, mais lui, il est en tout pour ça, quoi. Ah merde, j'aurais pas dû laisser de place à droite, je suis con. J'aurais dû mettre un deuxième gars. Ah, bien le heal, bien le heal. Oh, lui, il nous soulève en fait. Un autre technochimiste. En même temps, lui, il a tout donné. Hein. Lui, on n'est pas du tout au même stade de nos villes. Hein. Je pense que Echo va falloir peut-être le tège, non? On en pense quoi? Echo, c'est peut-être l'heure de s'en séparer, quoi. J'ai l'impression qu'Echo, il commence à avoir donné ce qu'il avait à donner, quoi. Là, j'ai l'impression que le bon move, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, le bon move, là. Je mets Janna derrière, comme ça, si ça se fait sauter dessus, c'est ça. Je pense que c'est ça, le bon move, là. Et Illaoi, il faut la bouger pour Mundo, quoi. C'est là, la position, là? Et Kog, je le mets derrière encore.
Zidane, on est fatigué. Hein. Oh là là, Urgot 2, la chatte. Je mets sur qui, cœur gelé, je mets sur Trundle. Trundle, comme ça, on lui met tout. Fait respirer la compo. Bah, en vrai, il n'y a pas besoin qu'elle respire, là. Victor. Moi, je pense que c'est... Je pense pas que c'est Victor. Parce que... Bon, ah, Victor, il nous permet de rentrer ça. Victor, on fait ça, quoi. Est-ce que c'est ça, le move? Je préférais tempo, pour l'instant. Je préfère juste tempo vite fait pour être sûr de... Parce que c'est quoi, Tariq, qui nous met bien? Victor, je vois pas trop dans quoi il rentrerait. Ouais, il nous fait rentrer Technochimiste, mais je préfère sûrement largement avoir une Lissandra. Et pourquoi Jana? Ah, Jana, elle a déjà sauté, là. Ah, là, on se fait un peu soulever, là. Là, c'est un peu dur. En même temps, on a une vieille Ilaoi, là, qui pue ses morts. Coq doit rester pour répétiteur. Bah non, on va chercher Jinx. En vrai, là, on va chercher Jinx, du coup. On gagne, là-dessus? Oh là là, mais quel génie, ce Trundle. Enlève Ilaoi et rentre à Mundo. Oui, mais c'est comme... Je mets Morello Lissandra et le souci, c'est que je crois qu'il y en a beaucoup. Oh, Tahm Kench, par contre. Tahm Kench, incroyable. Tahm Kench, incroyable, ça. Directement, là. Il est magnifique. Il est magnifique, ce Tahm, là. Pourquoi, frère, j'ai encore autant de niveau 1, là? Bon, allez, hop. Ginzu et Urgot. Non, je veux Lys, moi. J'aurais peut-être pas dû descendre à 30 HP, là. Je me suis dit, peut-être Jinx, peut-être... Slam Ginzu sur Urgot. Non, mais eux, ils nous fument, par exemple. Après... Allez, ulti... Ouais, l'ulti tard, putain, elle branle rien, Jana aussi. On l'aura pas niveau 3, Urgot, il y a déjà 3 mecs qui le jouent. Bon, après, on est pas mal, on a 61 HP, il y a juste des questions qui se posent. On vient de perdre contre le mec, lui, il a 6 érudits, 6 arcanistes. Pas mal, quand même. Belle petite comp. On a Jin, mais Jin, on s'en fout. Là, ma question, c'est... Qu'est-ce que je branle? Il faut nourrir le... Bon, je le nourris pas très bien, mais un peu, déjà, un peu d'armure. Mais c'est pas non plus go 9. Voilà, j'ai pas le... Pourquoi tu voudrais roll? Non, mais en fait, on voudrait roll pour Jinx, potentiellement aussi Tahm Kench. J'ai cette question du Tariq, jusqu'à quel point... Après, le Tariq, il nous permet d'avoir enchanteur, ce qui est pas non plus horrible. Mais Mundo, je le mettrais à la place de qui, Mundo? C'est ça, ma question aussi. Parce que c'est Mundo à la place de qui? De Zac, tu vois? Trundle? Ouais, Trundle, on le tège et on s'en fout de Scrap. C'est vrai qu'après, il a les items pour... Parce que là... Mundo égale Trundle, Jinx égale Cog. Lui, il nous fume. Après, c'est des mecs qui ont push, nous, on est 8. Tu peux nourrir le deuxième. Non, mais là, je voulais juste rester à 40 gold aussi. Putain, bien... Ah mais là le truc de shield, en même temps ça faisait plus de 15 secondes le fight là, du coup on a notre passif. Ça va être notre intérêt, le late game est pour nous, hein. On a des trucs de late game. On a un Shojin, Kog, Shojin je pense que c'est pas mal parce que du coup il ulti souvent. Mais après faut lui mettre des trucs de tankiness. On a pas de Mundo, on a un truc de crit mais ça nous intéresse pas plus que ça. Ah il y a une GA Urgot, bon elle est partie la GA Urgot. Il y a un Giant Slayer qui est pas nul je pense que sur... Je pense que le Giant Slayer est pas nul sur... Il y a pas mal de technochimistes de machin et tout, c'est Giant Slayer. C'est Giant Slayer, comme ça on a 3 items sur Urgot. On va avoir des questions, je pense que... Ah non, j'allais dire Ginzu. On a toujours cette question de Lissandra potentielle, non? Ah bah oui, bonsoir. Putain, tiens, bouffe, mais là je lui fais vraiment... Je lui donne que de la merde à manger. Hein. Ginzu sur Jinx, ouais, c'est ce que je me dis. Mais là, de toute façon, on a... Et on a toujours Lys quand même, ouais, sur Tariq. Parce que là, du coup, on a un placement qui est un peu... l'impression qu'on commence un peu à souffrir, quoi. Ça te manque l'anti-heal. Non, mais c'est Lys Morello. Et le truc, c'est qu'on a un vieil arc courbe. Et ensuite, une fois que j'ai vendu Trundle pour Mundo, je mets Runan Jinx. C'est ça, mon move. Et il nous faut... Il nous faut à tout prix... Il nous faut à tout prix Jinx, là.
Ah mais non, même pas besoin, parce qu'elle sera ferrailleur aussi. Donc je peux juste lui mettre l'arc courbe. Bon, on va voir. On va voir, on commence un peu à perdre. Je sais pas si... Ah, c'est vrai que j'aurais dû donner Lys à Tam. Je suis bête. Runan, Morello, Jinx, Domi. On cherche quoi sur Tam? On lui cherche à lui donner des HP ou des... Bon, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Là, il y a la question de je fous qui en stuff. J'aurais dû lui donner Trundle. Je suis désolé. Excusez-moi. On s'en veut tous. Je mets Runan. Je mets Runan sur Kog, hein, tant qu'à faire. Et le Morello, c'est Lys hein, pour moi. Hein. C'est Lys à la place de Taric. Hein. Faut que tu donnes de la paix à Tam. Putain, à chaque fois, moi, j'essaie de lui donner des trucs tanky, mais en fait, c'est vrai que. Là, on se fait fumer. Hein. Va falloir roll, là, je crois. Hein. En fait, c'est. Est-ce qu'on va chercher le niveau 9 ou pas? Parce que là, notre niveau 9, à l'heure actuelle, il nous manque. Après, on est encore présent. Lui, il est niveau 9. Hein. Je pense que sans le niveau 9, on est mort. Pour se parler honnêtement, là. Sans le niveau 9, on commence à... On a quoi comme item? Une BT, ça sera bien sur Jinx. Ça sera bien sur Jinx, la BT. Là, concrètement, ça va être Jinx pour Kog. Et si je suis niveau 9, je garde Taric. C'est bien de garder Taric. 20% de dégâts en plus pour Urgot, c'est pas si mal, je pense. Et je rentre Lys en plus. Je pense que c'est ça, notre move. Push. Bah, autant de pas push au PVE, non? Je me dis... Ah par contre faudrait que je feed... Tiens, il voulait de la paix lui? Non, il peut plus en avoir. Bah tiens, je vais donner à l'autre. Yumi supérieur à Taric. Oui, on peut vouloir de... on peut vouloir Yumi en plus. Tenez, vous me dites... Mais je pense que c'est un bait de... Je vais donner à ce point de la bouffe là. Jinx, Yumi. Ah mais c'est vrai que j'ai pas besoin de Lys. Parce que Yumi, elle fait exactement la même chose. Là, on push, vous pensez? Ah, oh, c'est une erreur. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal, quand même. Oh, je mets Jace, on sait jamais. Ouais, c'était pas mal, quand même. Belle idée, les gars. Belle idée. Faut être fier de nous. Morello Jinx, on met? Parce que là, quand elle arrive, en fait, tu mets du dégât, c'est ça? Non, on va se trouver Yumi. Vous en faites pas, on va se trouver Yumi en 2-2. Y'a pas de problème, pas besoin de paniquer comme ça, tout va bien aller. Voilà, on a tout, hein. Non, parce que je pense que c'est qu'un seul spell, c'est gâché. Je me suis pris un petit... Oh là là. Ça va, vous? Du coup... Et ouais, les gars, vous savez, ça vient... Ah non, Tamken, il peut pas avoir, lui, de... Pas un truc comme ça. Ah, petit chat, petit chat. Là, je sais pas trop comment les placer, mes gars. Tu vois? Merde, j'aurais dû le mettre là, là. Yumi sur Urgot, bah oui, je suis con, parce que Mundo, il va survivre, quoi qu'il arrive. Non, mais ça, tu vois, c'est pas encore très clair pour moi. Il a répondu, le dev, mais pareil. Pour l'instant, je suis encore un peu... Faut que ça respire, c'est vrai qu'il faut que ça respire pas assez. Mais du coup, je sais pas où mettre les autres, tu vois. Je pense que je sais ce que je vais faire. C'est qui mon... Oh, il a un item. Ça, c'est fort quand même. Ça, c'est quand même gros plaisir. Est-ce que je mettrais pas le... Oh, deuxième item. Mais Tamkench. Tamkench, c'est même un perso qu'on aime... qu'on aime regarder, en fait. Oh, l'étincelle ionique sur Mundo. Oh, c'est magnifique, non? C'est ça, non? Ah non, vous m'avez dit de la paix. Qui fait de la paix ici? Oh, Kaïsa, elle doit faire des trucs bien. Là, la question, c'est qui me sert à rien? Je mets ça là. Je mets ça là, on fait respirer un peu. Mais là, peut-être qu'on respire pas assez, là. Peut-être qu'on respire pas assez. Là, je peux mettre ça là, en vrai. Yumi mal collé. Elle est pas avec Tam, avec attention hook. En fait, faudrait que je mette... Oh bah merde.
Je vais mettre Janna tout derrière. Oh là, elle s'est foutue sur Janna, putain. Parce que mon ferrailleur, là... Ferrailleur, j'utilise pas encore. C'est un peu gâché, ça. Non, voilà, c'est un top 1, là, les gars. Je vois pas autre chose qu'un top 1. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a refait la même compo. Ah bah parfait, je mettrai ça à Janna. Non, mais là, c'est full chat. Mais on a deux items encore. Oh, c'est full chat, c'est incroyable. Quel plaisir. C'est pas gagné encore, hein. On se demande quand ça l'est, quoi, parce que... Un Zephyr Mundo. Mundo Zephyr, pas mal. Il y a peut-être mieux, quand même. Il y a peut-être mieux. Mutant. Non, mutant. Putain, j'ai 8... Titan pouvait être bien. Chemtech. Ah, bon, on verra ce que... Ah, c'est pas mutant, c'est Chemtech, ça. On a eu quoi? Bon. C'est un peu décevant. C'est un peu décevant, on le sait. On le sait, on est un peu déçu. On est un peu déçu, mais faut pas que ça... C'est vrai que le pègre, là, il met pas non plus max. Ça fait un peu d'armure pour Mundo. En vrai, on est en mine. C'est qui mon deuxième... Oh, c'est une erreur, ce que je viens de faire. C'est une erreur, parce qu'il y a que statique qui nous intéresse. C'est une erreur. Et en plus, j'ai mis deux trucs de ferrailleur, je suis une grosse merde. Voilà. Là, je vous le dis, ça se passait bien, cette game. Voilà. Tout va bien, c'est pas grave. On va trouver un moyen de s'arranger. Regardez un peu là, avec son calice de puissance, les dégâts qu'elle va me caler là. Boum. C'est pas un Morello, mais c'est quasiment mieux. Hein. Je mets Sion pour la... Et là, on perd. Et on perd là! Avec mes conneries là. Non mais lui, il a tout mis en même temps. Ok, on se reconcentre. Il nous faut Yumi 3 aussi. Hein. Gagner des PV. Comment on sait sur qui elle est là? C'est bon là? Bon, pas bien sûr qui elle est. Putain. Bon, elle est sur Jinx, ça sera bien. C'est de la merde, là, ce que je fais, là. Tam, je pense qu'il faut le mettre tout à gauche. En quoi que, c'est pas si mal, ils vont aller tout droit. En fait, là, on est obligé de se les faire attirer. Elle est sur Zac. Non, elle est sur Jinx, là, on l'a bougé. C'est pas mal là ce qu'il nous fait là. Oh là là, on se fait plus le vert. On se fait plus le vert là. C'est fini? C'est fini. C'était rapide hein. Ah, on est monté très haut et on est très très vite redescendu quand même. Je trouve qu'on est quand même très très vite redescendu en termes de hype. Mais là en fait, bon, les placements, je suis nul encore. J'y m'y connais pas. Mais demain, on a un coaching par Shones. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux là? Que je comprenne. Le Victor, il nous a mais atomisé le man. 13 500 de dégâts et MR, il nous a tiré dessus aussi. Parce que là, le placement, parce qu'en fait, on était un peu stuck. Est-ce que c'était pas l'occasion de bouger? Parce que Tarik nous bloquait, en fait, ce qui faisait qu'on était obligé de mettre deuxième ligne Urgot. Mais en même temps, il fallait aérer. Ouais, mais aérer, quand t'as 4-5 combattants, c'est pas simple d'aérer, je trouve, tu vois. On sait que la spatule pègre nous a mis dedans. Mais ton Mundo était level 1 et t'avais Tam 2 que tu devais stuff. C'est vrai que ça, c'était peut-être... Bon, après, non, quand j'ai stuffé... Ah, je sais pas, quand j'ai stuffé, on hésite. Simon, merci pour le prime. Yuyu aussi, 22 mois. Tarik n'est pas un combattant. L'item vraiment inutile. Après, le Victor, je pense, il a gagné du coup, le Victor. On sait pas ce qui se passe, là. Le Victor avait l'air injouable, là. Il a MR3, full stuff. Devant, en fait, devant, le truc, c'est quoi qu'il arrive, peu importe comment tu stuff, le mec ne saute pas, donc même si j'avais reculé mes combattants, ça change rien. Là, il va fumer tout le monde, il est trop bien protégé. Oh, putain. Ah oh, ouais, mais là, ça, c'est des kamikazes, là. Les gars qui se sont mis. Oh ouais, ça joue à rien, putain. Pas de chance. Fallait vaille à la place de Tarik pour ajouter Sœur pour Jinx Domi. Frérot, je veux des conseils, mais des gens qui, au moins, ne sont pas aveugles, parce que sinon, là, vraiment, on est perdu, quoi. Je comprends. Encore une fois, je suis le premier nul. Mais vraiment, on a besoin que, entre nuls, nous ne parlions pas. Prenons prenons juste, tu vois, la connaissance des gens qui sont un peu forts, qui sont masters ou je sais pas quoi. Tu vas en avoir quelques-uns quand même. Non, mais Tarik, je sais pas par quoi on aurait pu remplacer, puisqu'on a Yumi qui est bien. En vrai, Tarik par un genre Jace, peut-être. Peut-être par un Jace. Je me mets Jace en mode AD, qui donne de la vitesse d'attaque à du coup Urgot et Jinx. C'est peut-être ça mon plan. C'était peut-être ça mon meilleur plan. Madara, merci pour le 44e mois. T'as fait ton top 4+, c'est une win. Non, mais c'est pour comprendre, tu vois. T'as jamais eu de combat de 15 secondes? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un bait ce truc là. Parce que ça a l'air d'être bien. Mais d'un autre côté,
Tu vois, d'un autre côté, on sait pas trop quoi. Tam devant la Vex pour la manger et attaquer direct sa backline. Ah, pas mal ça. Ça, j'y ai pas pensé, c'est bien vu. Ça, j'avoue que c'était pas mal. Faut savoir qu'on est tous ingénieurs chez Shones. 15 secondes, c'est long. Bah, en fait, 15 secondes, t'as peu de fights qui font 15 secondes. Ou alors, vraiment, t'es en fin de fight, quoi. Ascension, c'est broken. Bon, on se refait une petite game. Bon, c'était bien, en tout cas. Oh, le but, après, c'est de progresser. Hein. C'était soit 5 chemtex, tu prenais la spat. Après, le but, c'est aussi de se créer des games un peu différentes, tu vois. Parce que là, on a refait à peu près la même compo. Après, c'était pas notre faute. Mais déjà, c'est bien de comprendre, tu vois. 15 secondes, si t'as des gros shogats. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, franchement, super smart de te demander de ce que tu peux améliorer, mais il y a des games, tu peux pas faire mieux que top 3. Je suis pas sûr que tu passais les deux premiers, là, de toute façon, même avec un meilleur placement. Ouais, ouais, non, après, c'est de l'opti dans l'ensemble, quoi, tu vois. Très bien, car il buff your goat et Jinx en backline. Ouais, c'est pas mal, ça. Repart sur LOL machin, qu'on refasse le placement. Bah, en fait, c'est très... Enfin, le placement, j'ai l'impression aussi que c'est de l'expérience et de... tu vois, ça dépend beaucoup des compositions, quoi. Je pense qu'il y a un placement de base, mais où demain, je verrai, c'est mieux qu'on le fasse avec Shones demain, tu vois, qui peut m'expliquer en 2-2, plutôt que je sois là en galère en mode « Si je mets du coup mon carry sur la case à droite, c'est bien ou pas ?» Tu vois, donc, comme ça. Mais je pense que ouais, c'est pas mal l'expérience de savoir en fonction de la composition adverse ou quoi, tu vois. Le Ready or Not qui me hype. Ouais, on va se faire la mission à 17h là. 17h, on se fait grosse mission. Le planning, hein, c'est vers donc 17h, on a Ready or Not mission en inside, donc ça va être cool avec DF et Xari. Après, je sais pas trop ce qu'on fera. Peut-être on mattrape peut-être un peu de trucs, un peu en mode de react, un truc un peu chill. Peut-être un peu de discussion aussi. c'est un moment de discussion. Bonjour. Bonjour. Mais non, on verra. Et à 21h, il y a le 5 heads. Donc voilà, je pense que je couperai après et on restreamera demain. La case socialite était un bait. Ouais, je pense, ce light là. Venez, on change un peu. Je prends une BF. Non, on a Caitlyn. Bon, si, je prends une BF. Moi, je l'aime bien, mon petit perso, quand même. Je trouve qu'il rend heureux, quoi. Il est content, il crie. En faut peu, hein, parfois. Tu fais une pause entre temps. Non, je pense qu'on va passer, la journée ensemble. En fait, je pars en vacances ce samedi matin, donc du coup... C'est quand FM Football Manager, les gars, c'est en janvier. Peut-être pas tout de suite quand je rentrerai, mais... des vacances, mais tu vois, mi-janvier, j'en sais rien, tu vois. C'est un 5 head sur quoi? C'est culture G. Donc en vrai, c'est plutôt cool. On fera peut-être un peu de squeeze avant, histoire de chauffer. Soirée pour le nouvel an. Non, je streamerai pas pour le nouvel an, mais je serai pas là pour autant. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de Darius. Je crois qu'il faut tout le temps prendre les paires. Ensuite, bah, on a le truc pègre. On essaye de progresser là. Allez. Comme ça, tu vois, de bien structurer la base. Je pars où? Je pars à Tenerife. Toujours pas pris d'ailleurs, j'ai pris que 2 jours d'hôtel. Petite compo pègre. C'est pour nous. Attends, parce que pègre... Bah attends, on a déjà ça. Il nous faut du crit. Faut gagner un emblème technochimiste. Oh. Oh. Ça, c'est trop chiant quant à ça, tu vois. Bon, colosse, c'est non. Arcaniste. Pff, ça, c'est chiant, tu vois. Arcaniste. Oh, c'est chiant de fou, ça. Tu sais pas, t'as rien joué... Tu sais pas ce que tu veux, t'es en mode bon bah. Sinon, on part technochimiste, mais on vient de se le faire. Vas-y, j'ai envie d'essayer arcaniste, on n'a pas fait de game arcaniste. Oh putain, technochimiste, 3 singed. Quelle vie de merde. Quelle vie de merde. Là, il nous faut qu'on se prenne singed 2, non? C'est obligatoire, je crois, de se prendre singed 2, non? Mais je vends qui du coup? Je vends un Darius ou un... Je vends Darius. Comme ça. Ça exact, c'est gratos parce que c'est un niveau 3. Je pense que c'était ça le move. Oh bah on peut. Bon, on n'a pas besoin de vendre. Qu'est-ce qu'on se fait là? Oh, c'est vrai que c'était vraiment une game. Tes items étaient bien AD quand même. En vrai, je me mets Arcaniste sur Ziggs. Ouais, mais t'as déjà Arcaniste ici là. Donc t'as pas besoin de. Est-ce qu'on se met pas sur Singed et quoi qu'il arrive, on va le tège. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit pourquoi pas. Parce que Challenger, c'est pas plus fort que rien.
Après, il y a un assassin là quand même, hein, qui est pas mal. Il hein. Y a une petite. Il y a une petite kata qui peut nous mettre bien. Hein. Oh, c'est de la merde, putain, je fais même pas un kill. Ok, on se remet dedans. Là, on est sur une toute nouvelle compo. Il faut frapper fort. Des fois, tu fais n'importe quoi. Bah ouais, je sais pas jouer, quoi. Allez, on arrête les conneries, là. Je fais ça. Comme ça, on a arcaniste. Trundle pour scrap. On aurait pu, mais... C'est vrai que c'est pas mal, Trundle pour scrap. Au moins pour le début. Le backseat de ce chat, ouf. Non, mais c'est le but. C'est le but que, qu'on puisse progresser, tu vois. Une fois que je sais jouer, mais... Oh non, me dis pas qu'on va pas tuer un mec, là. Allez, let's go. Bon, on se fait soulever, quand même. Hein. On se fait quand même bien soulever. En même temps, on a des items, mais on peut pas vraiment les... Là, c'est un peu complexe. Là. Là, c'est un peu complexe pour l'instant. Mais c'est le début. C'est le début, c'est le début. Va falloir qu'on passe la seconde, quand même. Bon, ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça nous met assez bien. Ensuite, que se passe-t-il par rapport à ça ? Faire ça quoi, mais bon, c'est un peu de. En fait, Shinged, c'est ce qui nous fait des dégâts. Il est niveau 2. En fait, là, j'ai un peu la flemme de tester Shinged parce qu'il est niveau 2, quoi. Donc, comme il est niveau 2, je me dis. Si tu veux jouer arcaniste, tu dois slam. Je dois le prendre pour arcaniste, mais en fait, j'ai pas envie de jouer arcaniste. En même temps, va peut-être falloir quand même parce que Arcaniste, tu joues quoi? Arcaniste, il nous faut Vex quoi. Ça joue quoi en face? Techno, combattant, après c'est le début, combattant, justicier, garde du corps, assassin, ferrailleur, garde du corps, mécanique. Pas trop de. Bon après, c'est le délire loose trick aussi. On peut pique en premier. Qu'est-ce qui nous intéresse? J'ai envie de jouer Shaco. Je vous le dis, j'ai envie de jouer Shaco, mais... Non, on n'a même pas un arcaniste, là. C'est vraiment un start de merde. Hein. On a besoin d'un gant et on... Oh, j'ai besoin d'Ilean. Oh, il le prend, bâtard. Je sais pas quoi jouer, là. En vrai, je suis vraiment perdu, là. Je suis vraiment perdu. Je vais me prendre un truc d'armure. Un Bramble, ça sera pas nul. Et au moins, c'est 3 gold, comme Shones m'a dit. Mais c'est vrai que c'est naze, là. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Il faut se réveiller, là. Allez, c'est le moment. On se réveille. Ça dit quoi? Vex, c'est titan, non? C'est titan ou c'est... Rumble. Je devrais la mettre devant. Peut-être. Bon, là, je pense qu'on va commencer à gagner ou à perdre pas trop cher. En vrai, c'est pas mal si on perd et qu'on prend pas trop trop cher. Mais je pense qu'on gagne, là, non? Je crois qu'on gagne. On perd, hein. Oh non, mais ça, pourquoi il a pas mis sur Trundle? Mais ça donne envie de péter un truc, ça. Rentrer les deux Yordle, ouais. C'est peut-être pas con de jouer Yordle, comme ça on va avoir au moins un income un peu plus fort avec Ziggs. On va tège les autres, là. On va tège. Est-ce qu'on veut pas... Ça, c'est très très nul, quoi. On veut ça.
pas vraiment si on veut ça. Hein. Je me dis, autant peut-être jouer le niveau 2 de lui, là. Mais Yordle, il n'y a aucune chance que ça passe, quoi. C'est beaucoup trop tard, là. C'est juste qu'au moins, on va en avoir naturel, quoi. Peut-être pour avoir un ZX2, quoi. Singed, c'est nul, père. C'est mieux qu'un... Moi, Swain, je trouve ça pas dégueu. On aurait... Oh oui, c'est propre, ça. Let's go. Allez, les gars. Voilà, on va gagner, c'est le problème. Parce que sinon, ça aurait pas été mal, hein, de perdre, mais perdre dans mode de peu, quoi. Bon, on gagne un peu de sous, là. Est-ce que je vends? Oh, je vends. J'ai vendu, j'aurais peut-être pas dû vendre. On a besoin d'économie. On a besoin d'économie, on a du ZX qui rentre. Ça part de là. Mais là, je joue quoi, là? On part vraiment sur Yordle, là? Yordle, c'est lose. Et Yordle, c'est vraiment au tout début que tu les as, les Yordle. On a déjà eu ce problème. Ça avait déjà été tout un problème, ça. L'histoire avec les Yordle et compagnie, là. Non, non, il nous faut juste Arcanist, nous. Oh, en même temps, on a Emerdinger qu'on chope comme ça. Hein. Je sais pas si c'est pas un signe du destin. Hein. Je sais pas là si c'est pas, mais en même temps, on a aucun... On a absolument aucun item pour jouer Arcanist, hein, je trouve. Hein. On est 3.1, c'est au 3.2. Si je fous Emer Arcanist, c'est pas de la frappe atomique, genre? Tueur de géant est plus que viable en Arcaniste. Parce que c'est qui, là, que je vais stuff mal? C'était quoi son... Enfin, j'avoue que j'ai jamais trop joué à ce genre de truc, donc on est un peu perdu, là. Là, on va perdre encore. C'est pour ça que tout à l'heure, ça aurait été bien de perdre, en fait. Ça nous mettait vraiment bien, parce que là, on fait une lose. On va passer niveau 6, là. Je pense qu'on va rentrer... Là, on va faire... Enfin, on va pas jouer 6 arcanistes, là. Putain, avec Swain, j'aurais pu, hein. T'as pas les items pour luxe. En fait, là, les gars, le problème... Oh, mais en même temps, on a full... Non, 3.2, mais est-ce qu'on n'a pas envie de jouer Yordle? Il y a un monde où on peut jouer Yordle, là, quand même, non? Non, on n'a même pas d'item, on a même pas de perso au niveau 2. Faut abandonner. Ok, faut abandonner. On arrête. On arrête de faire n'importe quoi. Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai pas 6 arcanistes, là? Qui n'est pas arcaniste, ici? Lui. Putain, j'aurais dû inverser, ok. J'aurais dû inverser et mettre un autre gars. Allez, on vend ça, là. On arrête les conneries. On arrête les conneries, on se remet dedans. Hein. On se remet dedans. Mais du coup, il nous faut une frontlane. Qui va bien en frontlane avec Vex? C'est un peu la question. Est-ce que notre carry, c'est Malz ou est-ce que c'est Emer? Swain, ouais. Swain, il était bien, en fait, tout à l'heure. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas les items pour une luxe forte, quoi. Il va régénérer full HP, le bâtard. Oh, c'était sûr, putain, on est mort. Oh, 410. Oh, il tabasse, lui. Hein. Et en fait, il va nous falloir de la frontline. Il nous faut beaucoup. Oh, les arcanistes débutent le combat avec un bouclier. Oh, bah, c'est pour nous. Oh, let's go. Je lis même pas le reste. C'est pour nous. Ok, on a ZX2. Ok, on revient un peu, là. On revient un peu. Lui, on le vend. Je balance Emer Arcaniste. Emer Arcaniste. Mais là, du coup, il nous faudrait un autre... En vrai, j'ai envie de foutre 2 Vex en temporisation. J'ai envie de foutre 2 Vex en tempo. Blitz. Ouais, il y a Ferrailleur, quoi. Pff, je préfère foutre 2 Vex, non? C'est pas mieux d'avoir 2 Vex? Vandor te donne le stuff de luxe. Ouais, mais Arcane, là, les gars, c'est trop fort, le buff, quand même. 300% de leur puissance. Non, je fous 2 Vex. Je pense que c'est mieux 2 Vex, hein. Sachant qu'on a le bonus. Elles vont être archi tanky, là.
Je sais pas si je mets le stuff sur Emer ou... J'ai jamais joué les arcanistes. Je sais pas si je mets mon stuff sur Emer ou sur Malz. Je sais pas qui va être notre carry. Ferrailleur, t'as un shield en plus. Ah, regarde, t'as vu tout ce qu'ils ont tanké là, mes deux petites Vex. Par contre, c'est zéro dégâts. Hein. On a vraiment... En vrai, c'est... Je pense que c'était pas nul, au moins, de faire ce que j'ai fait. Après, je dis pas que c'était forcément... Oh, joli! Je dis pas que c'était insane, mais je pense que c'était pas con comme réflexion. Et c'est ce qu'on va chercher parfois aussi, nous. Hein. Nous, on cherche juste de la réflexion pas con. C'est qui, lui? C'est Léona. Oh, Léona, elle va nous emmerder. Hein. Ok, ça va, en fait. C'était relatif. C'était plutôt tranquille. C'était plutôt tranquille. Slam GS, mais je sais pas sur qui. C'est ça, tout mon problème, là. Non, non, je pense qu'en fait, avec le passif... Le fait d'avoir 300% de puissance en shield, ça te rend vraiment trop bien. Alors que Blitz, bon, bah, il nous met un grab, mais à quoi bon, quoi, tu vois. Je suis très loin, là, je suis très loin. Il nous faut, je pense... il nous faut une lisse, il nous faut une lisse. Il nous faut lisse. Je prends... On a besoin d'érudit. J'ai pas besoin d'érudit. Bon, en même temps, quoi qu'il arrive... Je... Oh, lisse, c'est pas sûr. Non, c'était une erreur. Je pensais... J'ai pensé au Morello, en fait. Je pense qu'il me fallait ça. Mais quoi qu'il arrive, t'es baisé. C'est quoi les items arcanistes? C'est gants ou baguettes, quoi. Et en même temps, le Morello est pas dégueu. Hein. Je pense que le Morello est pas dégueu, moi. Oh oui. Let's go, ça. Oh, mais attends, j'ai le luxe. Oh, c'est quoi cette compo, là? C'est quoi cette compo des enfers, là? Je mets quoi sur Lux? Je mets GS sur Lux, c'est quoi l'item Lux? Blue Buff. Je vous écoute. Ça fait quand même du dégât, c'est pas mal. Hein. Et après, il nous faut un Blue Buff ou une connerie comme ça, quoi. On gagne pas là-dessus, mais... Allez, au moins, tu le tues. Oh, la TF, c'est tellement nul. Elle est pas érudite, en fait, hein, Lux. Hein. C'est pas grave, quoi qu'il arrive, c'est pas elle qui... C'est pas Lissandra qui va faire, là. Clément, merci pour le prime. Là, on va chercher le 7, non? TF, il est top damage. Ouais, parce que c'est le seul niveau 2, quoi. Là, il nous faudra un truc où... ZZ Rot est pas si con. Hein. Je devrais prendre Brome, non? Ouais, en tempo, quoi, mais... En fait, j'ai envie de lui mettre ça, parce que quoi qu'il arrive, ensuite... Ouais, mais en même temps, on a besoin d'items pour les autres. Hein. Mais en même temps, Vex, c'est notre seul... C'est notre ministre, quoi, tu vois. C'est notre responsable de la suite, quoi. Oh là là. Après, on fait des dégâts, quoi. Mais on est vraiment... C'est vrai qu'on va attendre les Corbins pour voir un peu c'est quoi nos options. Oh là là, Ziggs. Non, Ziggs, c'est vraiment nul, pardon. Excuse-moi, TF. Parce que Morello... Morello Lux, c'est comment? Là, il nous faudrait un gant de crit, en fait. Un gant de crit pour Lux... C'est genre le gant précieux, là. Bon, je la récup, si jamais. On se met un peu de points. Il faut blue buff. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai pas rédemption sur... parce que j'ai besoin de blue buff ici. Et même ensuite, tu prends, je pense... ouais. T'as trop de trucs à prendre. C'est vrai que l'idéal, ça serait... c'est bien Lux. T'as fait le taf. Oh là là. Oh là 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 là, est-ce qu'on... Ça régale pas de fou. Hein. Est-ce que j'ai envie de level up ou pas? Reforgeur. Oh. Reforge l'arc. Oh la chatte! Et je mets Morello à... Enfin, je mets Warmog avec. Oh, la chatte! J'ai un peu panique, mais je me dis, faire rentrer un érudit,
est jamais trop mal, dans le sens où ça fait du mana pour tous mes gars. Et c'est des arcanistes, donc... Merci le chat, bien vu. J'aurais peut-être dû rentrer Brome plus tôt, mais tu vois, l'érudit permet au moins de... On est en kamikaze, quoi. On n'a pas de frontline, on balance tous nos dégâts, quoi. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, juste, elle sert pas à grand-chose, mais elle est là, quoi. Oh, le respawn ! Oh, Ziggs, t'as pu être incroyable, tu l'as pas été, mais... C'est bien, là, c'est bien ce qui se passe. Il nous faudrait Mals 2, il nous faudrait MR 2, tous ces mecs-là, un peu. Érudit, il y a 4 érudits ici, donc lui, il a beaucoup d'émer. 5 Chal, 2 étudiants, Chal, 5 techno. Il y a que du combattant, techno et tout. Donc nous, on a quand même un boulevard. C'est X2, hein, les, 3, les gars. Là, il nous faut une baguette au carrousel et je prends le gant de crit, quoi. Là, c'est peut-être bien d'avoir un peu de rôle là-dessus. Je grid. Ça va rien, mais... Faut que tu rolles un peu au 7. Ouais, je pense que je vais slow roll un peu. Placement, on n'est pas trop sûr, quoi. Léona, ouais, mais Léona, ça fait beaucoup, quoi, après. Oui, certes, on rentre étudiant. Mais... Après, je pourrais Nico Lux 2, quoi. Rien à foutre de X3. Alors, vous dites ça, mais... Vous regrettez. Vous regretterez ce genre de truc. Parce que vous le savez pas encore, maintenant, mais... Joli... Oh, Mundo, il va nous faire chier de fou. Mundo, il a la griffe de dragon, c'est notre counter. C'est notre counter de fou. Il a tanké combien, le con? 4000. C'est pas impressionnant, en fait. Regardez ce Ziggs 3 qui arrive. Ok, on a Lux... Est-ce que je rentre Brome 2, quoi? Est-ce que je rentre pas Brome 2 Et on a une grosse frontline, quoi. Une Janna à la place des mers. Il te faut spell crit, pas IE. Ouais, ouais, c'est ce que je parlais. Inutile, Brome 2. Bah, c'est un bon perso, quoi, de ce que j'ai compris, quoi, qu'il arrive. Tu vois, genre le 3 bump, il nous permet de temporiser. Enfin, le truc, c'est qu'on a tellement de dégâts avec la backlane. Il faut juste permettre à ma backlane de tempo, quoi. Pour qu'ils puissent faire leurs dégâts. Oh là là, par contre, les mecs tapent les mêmes gars. Vous êtes débiles, c'est pas possible. J'ai juré. Tu vois, mais là, par contre, érudit, je gagnais le fight. Après, Vex, il explose. Oh, comment ça, il le touche pas? Ah si, il le touche. C'est perdu. Oh, il nous emmerde, lui. Hein. Ah, lui, c'était vraiment... Je pourrais pas me mettre Arcanis... Non, j'allais dire Arcanis Brome. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut une baguette. Il n'y a que Echo qui l'a. On peut se dire qu'on l'a pas, cette baguette, déjà. TF, c'est nul. Ouais. Après, le mec a 3 items. Hein. Je suis pas sûr qu'il va carry la fin du fight avec... Tu vois, il fait 7200 avec tous ses items sur TF. Là, on balance spell crit sur Lux et Inch. IE, pas spell crit. Ah bon? Salut, Alex. Merci Lorignacus pour les 15 mois. Sideless avec 4 mois à Denaito. Ah, c'est IE? Je... Parce qu'en fait, c'est quand t'as déjà... Tu peux mettre IE quand t'as beaucoup d'autres trucs, quoi. Non, parce que je sais que tu peux mettre IE, je crois que ça se joue, mais... Bon, moi, j'ai un peu ma question de frontline. Est-ce que je fous pas Lissandra? Parce que Lissandra, érudit, ça nous donne quand même plus envie, quoi. Mais après, si on n'a pas Vex 3, on va pas réussir à tanker grand-chose, quoi. Tu vois, Brome, il nous assure quand même une petite tempo qui est pas dégueulasse, quoi. Et ça, faut pas l'oublier, quand même. Oh, l'air égal, là. Tu vois, avec érudit, elle pourrait spam, mais en boucle, je pense qu'il nous faut IE. Hein. Non, parce que IE, ça se joue pas, IE, sur les mages quand tu fais beaucoup de dégâts. Putain, on connaît pas la case. Je pense qu'on va jouer exilé. On joue exilé, comme ça. En vrai, on va jouer exilé. Ah, c'est IE plus spell crit, c'est les deux. D'accord, ok, c'est en plus. Je pense qu'on joue exilé... parce qu'on connaît pas la case, tu vois. Ah, c'est vrai que si les autres ont une case, tu le sais pour tous, c'est ça.
Elle est au milieu, elle est pas mal, mais elle est pas non plus exilée, je pense. Hein. Parce qu'elle est bien, mais elle est au milieu, quoi. Donc, moi, je pense, on prend un. Mais du coup, tu vois, j'ai envie de remplacer là. Après, je peux me prendre Léona si jamais on a besoin de switch, quoi. On se laisse le droit de réfléchir. Je pense qu'Erudy est trop fort pour nos arcanistes, mais... Est-ce que tu proc... Allez, le combat, il dure 10 secondes. Tu proc... Ouais, tu proc 50... 10 secondes, donc t'en fais 5. Ouais, tu proc 25 de mana, quoi. C'est un demi-spell par perso, quoi. Vends Ziggs. Mais non, on va voir Ziggs 3, là. C'est pas le moment de le vendre. C'est pas le moment de le vendre. Léona au 8. C'est vrai que Léona Brome, ça a de la gueule hein, devant, mais... Non, il veut pas rentrer. Parce que si tu mets Brome à la place de lui, tu mets Léona à la place d'elle, mais tu mets qui, Arcaniste? Tu mets Brome Arcaniste? Tu vois? Non, Léona Arcaniste, et du coup, elle meurt jamais. La Janna qui est intéressante. Là, je sais pas trop qui a les stuff. Je pense que c'est pas mal d'aller stuff Vex un peu plus, mais Vex, il nous la faudrait 3. On a le... Pff, oh là, j'ai IE, là. Ça aurait été pas mal, là. C'est con, du coup. C'est 4 arcanistes, Brome, Léono... Ah, c'est 4 arcanistes. Après, pour un petit étudiant, Léo, enfin Lux, pas non plus. IE Malz. Pour que ça crit. Je pense que c'est pas mal comme ça. Hein. Pourquoi tout le monde... En fait, je lis toujours les mauvais commentaires là sur les IE, là. Non, ça peut être Giant Slayer à nouveau, quoi. Bon, lui, on le fume, lui, non? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous emmerde, la Fiora, quand même, là. Décidé, oh, là, on va perdre. Oh, là, oh, ça va, c'est bien, comme perso. En vrai, c'est intéressant. Je pense que Giant Slayer, c'est pas mal, mais... On a une... On sait quand qu'on rentre Ziggs, là. J'aime juste le perso. En fait, là, je roll, mais je sais pas ce que je cherche. Mais je mets sur qui Je mets sur qui, là, mon... Putain, je sais pas. Léona ou Brome, je mets Brome. Pile au moment où il va ulti. Pas si ouf, hein. Parce que du coup, on n'a plus l'érudit. Pas si ouf, hein. Parce qu'on fait pas les dégâts derrière, là. En fait, on a un problème. Déjà, c'est pourquoi notre putain de TF et Ziggs restent en boucle. Ok. Ça va être l'heure de step up, là. Ça va être l'heure de step up. On va foutre Lux là. En protection, mais on n'est pas non plus... On n'est pas dingue là. Squid into Lux 3 en lui. Il nous fait des entre-deux, non. Bon, déjà, Malz 2, c'est nécessaire. J'ai MR3 qu'on peut rentrer. Lissandra, on la jouera plus quoi qu'il arrive. L'avantage des mers, c'est quoi? On va avoir du dégât. En fait, là, on manque de dégâts, là. En vrai. Malz, il nous fait des dégâts ou pas?
Attends, je le mets quelque part, on va voir. On va voir. Parce qu'après, on rentre MR2, quoi. Donc ça, c'est intéressant, quand même. Et là, potentiellement... Oh, est-ce qu'on se ferait pas ça pour Malz? Et je fous deux items sur Malz. Je pense que c'est pas mal, non? Pistolet Malz. C'est pas mal, je pense. Je fais Giant Slayer. Pistolet... Oh, y a... Oui, Victor, mais Victor, on l'aura jamais, quoi. Ah, putain, on est baisé, là. On est baisé, et là, on est vraiment... Eh, nique sa mère, c'est le pire item, ça. Je prends une BT, c'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier, là. Est-ce que ça marche sur les spells aussi? Ça marche pas sur les spells, on est d'accord. Hein. Sur les dégâts physiques qu'il inflige. C'est à vomir. Zeke est meilleur. Ouais, mais j'avais pas grand... Enfin, j'avais pas de... J'ai pas de place à côté, quoi. Enfin, tu sais, genre, on est en exilé, donc je me suis dit... Bon, c'est un peu de la merde, mais... Quoi qu'il arrive, c'était un peu de la merde, tu vois. Personne fait des dégâts physiques, quoi. C'est vrai que c'était pas idéal non plus. Mais le truc, c'est quoi? Et vraiment, lui, c'est la fraude ultime, quoi. En fait, notre Léona, là, je trouve, c'est un mauvais plan. Je trouve qu'on est en mauvais plan de fou, là. Brome Léona, je suis pas si sûr de mon option. Hein. En même temps, ça a l'air d'être ça, là, con. Parce que sinon, tu peux pas tanker qu'avec Vex. Surtout que Vex, c'est pas 3. Donc, c'est aussi... C'est aussi totalement abruti, je pense, que de... D'imaginer autre chose. Malz commence à taper un peu fort. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On a aussi un petit Nico si jamais. On a toujours ce Malz où on réfléchit. On pourrait rentrer Malz là, mais si on rentre Malz... De toute façon, on va aller... On va mettre là-dessus, comme ça il va tanker. Oh, le Chaco 2 comme ça là. On a Ferrailleur. Ferrailleur, c'est... J'ai envie de le foutre vite fait sur Ziggs, comme ça. Nico Ziggs. Oh, c'est gentil, merci. Oh, bah, il s'est barré. Je pense qu'on aura mieux que Nico Ziggs. ODF ! Non ! Bon, je lui mets un petit truc pour faire ailleurs, quand même. Il va nous claquer une petite IE. Oh, le Shroud, magnifique, qui empêche Fiora de jouer le début. C'est incroyable, ce qu'on vient de faire. On se rend pas compte, hein, du niveau, là, qu'on... Oh, il va nous emmerder, le Galio. Elle pourrait pas crit, là, aussi, elle, là ? Vraiment, si elle fait pas d'effort, on va pas s'en sortir, hein. Tu es un man ou pas là? Oh, genre ça bump. C'est normal. Oui, joli ça. Oh, genre ça kill pas. Oui, oui, oui. Oh, zéro. Genre on n'a pas eu les dégâts là. Bon, là faut se concentrer. Là faut se concentrer. On a. On ne passera jamais 3 avec ça en fait. Ah, on a le temps. Cœur gelé, pas mal peut-être pour Vex. Et il a zéro résistance magique. C'est un peu le problème, la petite Vex là. Merci BMK Market. Je pense que je vais passer 9. Je vais passer 9. Je vais passer 9, je pense. Roll Lux 3. Non, faut qu'on passe 9, là. Faut qu'on passe 9, que je mette MR, comme ça on a Ziggs 3. Et ça, vous étiez pas prêts. Et ça, ça fait plaisir, en fait. Il est où mon item? Ah. Je mets sur Vex. Comment je fais pour... Il n'y a plus une case de libre. Ouais, tiens, les deux merdes, là. On vous déteste. Hop là, Ziggs 3. T'es choqué? Léona 2. Du coup, on va avoir des Yordle gratos, quoi. Et là, le play, pour finir, c'est... Oh non, on me dit pas qu'on perd face à un vieux... Ah voilà, face à un vieux Warwick, quand même. Oh non, face à une vieille... Oh là là. Allez, mon gars. Allez, mon gars. C'est ça, mon gars. Toi, je t'ai pas passé 3 pour rien, toi. Hein. Tu régales, là. Et là, maintenant, c'est... Boum. C'est Victor à la place de TF. C'est vrai que TF est puant. TF est vraiment à vomir. Hein. On le déteste. Eh bien, dommage. Oh, Yumi. C'est si bien que ça, Yumi? Yumi à la place des mers?
Ça place des mers. Oh putain, ça a sélectionné Miles. On le veut sur, on la veut sur luxe. Pff, ça va être chaud là. Allez, allez luxe. Tabasse. Oui Malux. Encore. T'es loin. Tu le fort. Pas assez fort. Oui. Oh mais ça touchait là. Yumi sur Vex. Bah, le souci c'est que. Oh Victor. Victor à la place de TF. Parce qu'il a pas d'item hein, donc. Là comment on sait qu'il. Oh merde. Tu as pas Lux 3. Merci des précisions. N'étais pas bien sûr. Sur Vex. Ouais, mais c'est trop chiant. Ça nous bloque les. Bienvenue Nova. Ça nous bloque tout là. On a perdu, je pense. Oh, mais quoi? Mais c'est. J'avais. Ah non, c'est quoi qu'il arrive? C'est automatique sur la case, quoi. Je l'avais lock exprès sur l'autre. Oh, c'est nimp. On se fait chier à la décaler pour rien. Ulti aussi, bro, mais putain, on change toute notre compo pour toi, il ulti pas, le man, c'est perdu. Oh, on est deuxième? Bon, c'était pas si mal, quand même. Bon, là, qu'est-ce qui... Pas mal, en vrai, quand même. En vrai, c'est plutôt pas dégueu. Klitschkinou saute sur la gauche en premier, puis on s'en sentit horaire de mémoire. Je peux la rapprocher, c'est juste une cage d'écart. Non, mais parce qu'en fait, on avait exilé aussi. Faut prendre tout en considération. J'ai redéplacé Yumi à la toute fin. Bon, on fait quand même deuxième, c'est pas mal. On s'est pas mal adapté, hein, vu la gueule du début. Hein. Oh, David. Soigne à la place de TF. Ouais, on l'avait au tout début, après on n'en a pas retrouvé. Hein. Lux, pas le bon stuff. Bah, Lux, à part le Giant Slayer, c'est le stuff, non? Et vu notre situation, j'ai l'impression qu'on n'avait pas beaucoup l'opportunité de faire mieux. Je pense que, en fait, comme on a eu un emblème arcaniste, on a joué les 6 arcanistes, même si de base c'est peut-être 4, tu vois. Donc t'as bougé, t'as Yumi. Ah, c'est pour ça. C'est jamais bro, mais t'as enlevé Yordle trop de tours, c'est Ymir arcaniste toute la game. Ouais, mais dans ce cas, tu mets qui en frontlane? Parce que c'est pas ma Vex 2 qui tank, hein. Même si t'as 8 becs qui balancent des bombes dans tous les sens et qui sont en full mana et tout. Moi, je pense qu'on est obligé de. T'en augmentes, t'as failli sceller ta game. Bah, quand t'as le choix entre technochimie. J'aurais dû prendre technochimiste pour avoir Zac 3. Enfin, Zac 3 gold. Swain et Vex. Ouais, mais Swain, je l'ai eu une fois et je l'ai vendu. Mais du coup, en vrai, des Swain, on n'a pas trouvé un, tu vois. C'était pas. Lys et Vex en front, sinon. Ouais, voilà, mais du coup, tu vas chercher Vex 3. Mais c'est pas comme si on n'avait pas cherché. Enfin. Ouais, si, du coup, c'est. Mais je sais pas bien faire encore. Parce qu'après, c'est des. C'est des réflexes et tout, quoi. Donc. Pas mal, hein, n'empêche. On fait top 3, on fait top 2. Quelle erreur d'écouter les silvers du chat. Non, mais. Moi je trouve que on arrive quand même, en plus vous êtes 12 500, donc forcément il y a plein de gens qui spamment des trucs dans tous les sens, tu vois. Mais je trouve qu'on s'en sort pas si mal d'un point de vue ratio, compréhension, progrès, tu vois. Le fait que ça soit le bordel dans le chat, mais honnêtement, 12 500, tu vas pas demander aux gens de pas parler ou quoi, sachant que je demande des conseils pour essayer de progresser. Et je trouve que j'ai un bon rapport progression, développement de nouvelles compos et tout, où c'est pas si mal, tu vois, je trouve. Et forcément, parfois, t'as des conseils de merde, donc j'ai le conseil de merde parce que mais je peux pas identifier, tu vois. Mais Wuxio, merci pour le prime. Mais je suis pas encore au niveau où je peux juste être en mode, bon, regardez-moi, je vais faire mes trucs, tu vois. J'apprends encore. Mais j'essaie de me faire mon avis et tout. C'est pas mal, en vrai, hein, c'est pas mal, quand même. Regarde sur le site pour opti le board. Ouais, je pense que tu fais un W, un truc. En plus, j'avais réussi, mais là, ça avait inversé. Mais c'est bien quand t'as 4 en frontline aussi, non? Faut apprendre à roll pour bon pour avoir des carrières. Ouais, ça me manque beaucoup. Mais demain on se fait un coaching avec Shones à 14h comme aujourd'hui. Donc again dream, merci pour le 6 mois. Il m'a tréquille, c'est ça? Il m'a tréquille, ouais, qui lâche son prime. Pico copie, qui lâche son prime aussi sur cette fin d'année. Merci beaucoup tous ceux qui ont des primes, etc. Qui les lâchent. Nous sommes toujours au-dessus des 11 000 subs. Je prends tous vos primes avant de partir en une semaine en vacances. On va revenir, on sera 5 000. En vrai, t'es chaud, tu vas passer diamant face. Non, mais honnêtement, ça me plaît bien, tu vois. Je trouve ça assez cool, la stream, par-ci, par-là. Un petit, un petit TFT, je trouve ça très sympa. Duo avec Xav, c'est quand? Bah, le Xav, je pensais qu'il allait être là, mais là, du coup, on va sûrement partir sur Ready or Not.
Le programme là, c'est Ready or Not, où on doit faire la mission Insane. Quoi qu'il arrive, DFG il doit bouger à 19h. Ensuite, soit on se fera une ou deux games de TFT justement avec Zav en double up, peut-être un peu de S-Squeeze, peut-être un peu de React, et à 21h-21h30 on a le Five Heads, donc qui est un fight de culture G entre Sean, Sardosh, Bibi, Kotei, Xari, Étoile et moi. Voilà, ça aide bien le 3-1 level 6 et 4-2 level 7. Ouais, ça nous donne les bases, et en vrai je pense que ça vous a permis de progresser quoi.